Troisième invité qui représentera l'architecture, donc Albert Lévy. Albert Lévy qui est architecte, urbaniste, docteur en urbanisme, et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Urbanisme, environnement et santé. Ville, urbanisme et santé, les trois révolutions. Voilà, ici, donc, et qui avait déjà donc, un petit peu anticipé ce que l'on a fait dans B2B, c'est une forme d'introduction à ce qu'on a fait en B2B, c'est un livre fort intéressant. Voilà. Cette table ronde donc, aura comme modérateur Jérôme Bataille, associé à IAC, qui fait beaucoup de conférences sur la santé, sur le hôpital, sur les ouvrages de santé en général. Nous aurons deux hommes de synthèse, comme mardi dernier, qui sont Christian Père. Ancien responsable de la FHF de l'innovation, du fonds d'innovation, et Marc Armengo, philosophe, professeur, enseignant de HEP, et un très bon interlocuteur de la Chambre. De cette table ronde avant de passer la parole aux questions, qui ont été fort intéressantes la semaine dernière. Jean-Pierre Redentel va vous présenter le livre qu'il a donc. Supervisé, enrichi et avec toi. Donc, tu laisses la parole. Voilà. Oui, bon, je n'ai pas répété ce que j'avais dit la semaine dernière tout à fait, mais enfin, quand même, un petit peu, pour rappeler la genèse de cet ouvrage, qui a le travail de recherche qui a été mené dans une équipe soutenue par la fondation. À l'IA, ça a commencé il y a plusieurs années, 4 ans, ouais. Et il y avait en particulier le point de départ, c'était le fait de s'interroger sur le fait de participer ou non à une consultation sur le Grand Paris, une deuxième phase, et finalement, après discussion, elle a préféré travailler sur son propre
cœur de cible, si je puis dire, qui est les questions de ville et de santé, qui s'intéresse évidemment de façon un peu plus large, même si Paris, évidemment, le Grand Paris était au centre aussi de cette réflexion. Alors, l'équipe s'est constituée grâce à Jean-François. Jérôme Bataille a été aussi parmi ceux qui ont poussé ce projet. Et voilà, on en est aujourd'hui à son aboutissement provisoire, la publication d'un ouvrage qui, ma foi, me semble tout à fait intéressant. Il y a savoir un peu plus, bien sûr, ce sera la lecture de l'ouvrage lui-même, mais déjà la petite l'exposition qui est là dans l'entrée d'Armageddon Storm vous montre sa thématique principale. La question de départ, c'est de se poser, savoir si la ville n'est pas finalement aujourd'hui, en tout cas les villes dans les pays comme le nôtre, les villes qui sont une histoire relativement de compacité, est-ce que ce n'est pas finalement aujourd'hui le lieu aussi où les questions de bien-être sont sont les meilleures. Alors, c'était ça le point de départ, à savoir est-ce qu'il n'y a pas là un problème, puisque on pense, je pense, et d'autres que moi pensent, que c'est un modèle de ville finalement qui pendant des années a été réputé devoir être considéré comme une vieillerie. Et puis, comme Henri vient de le dire, finalement, même une ville aussi diffractée et qui a joué autant sur l'éloignement, les circulations intérieures longues, etc., enfin les distances, une ville dispersée comme Los Angeles, finalement, aujourd'hui, eh bien, on s'aperçoit qu'elle s'intéresse à son centre, ce qui était son centre historique, ce qui est vraiment un retournement de situation qui s'est produit d'ailleurs dans d'autres villes aux États-Unis, hein, qui était l'endroit où peut-être la diffraction urbaine était la plus importante. Hein. Je me souviens par exemple à Atlanta, à l'occasion des Jeux Olympiques d'Atlanta, il y a eu une reconquête et un retour vers le centre avec les moyens de transport intérieur. Bon, donc ce modèle de ville finalement, qui a été donc décrié pendant une période, parce qu'il n'était pas suffisamment proche en apparence de la nature, bon, eh bien finalement il apparaît avoir beaucoup d'intérêt. Et donc, on se posait la question de savoir si, en matière de bien-être et de santé, ce n'était pas aussi le cas. Et là, l'équipe a travaillé, et suivant une thématique, d'abord, elle s'est posée le problème de révéler, c'est de révéler la situation, la plus comprenne départ, un paradoxe, hein, qui est le fait qu'il n'a pas une signification très, très, très forte, qui est simplement un point de départ paradoxal, à savoir que l'espérance de vie, un concept discutable, on l'a dit la semaine dernière, un des invités ici présents, eh bien, ce concept, quand on les a mis, finalement, aujourd'hui, c'est justement dans les centres compacts des villes que, apparemment, des villes développées, qu'apparemment, il est... pas apparemment qu'il est le plus important. Plus, c'était ça le paradoxe, comme que dans le Limousin, qui autrefois a été considéré comme le lieu de la santé, de la respiration, etc. Eh bien, c'est quelque chose qui aujourd'hui se discute. Et donc, c'était le point de départ, révéler, ensuite s'interroger, c'est-à-dire trouver les moyens de penser ce phénomène, et par étapes successives, en arriver à démontrer à travers des workshops qui seront organisés par la Fondation et aussi workshops qui ne sont
soit interne, soit externe, puisqu'il y a des universités qui ont été associées, Liège, l'école d'architecture de Versailles, en Chine également. Donc là où se manifestera le dernier volet, qui est juste esquissé pour l'instant, hein, mais qui va donner lieu à des publications vraisemblablement à la fin de l'année, hein, fin de cette année. Et donc, une publication de ces workshops. Alors, voilà le travail. Je crois qu'on peut penser que c'est formidable qu'une fondation d'entreprise, certes, une entreprise costaud, hein, ce n'est pas toutes les entreprises qui font de l'architecture qui peuvent se permettre de ce type d'investissement, mais c'est quand même formidable qu'il y ait de la recherche et du développement qui se produisent dans ce genre d'entreprise aussi, et qui donne lieu à des publications qui, j'espère, vous intéresseront. Très bien. Bon, ben, donc Henri Bava nous a permis d'introduire le sujet. Finalement, il nous a montré le jardin avec beaucoup de ses composantes, l'espace vert, qui favorise la convivialité, qui partage l'espace public, des formes naturelles qui sont recomposées, la vie qui est en train de se muter, l'histoire qui est rappelée, l'histoire de 1930 à Los Angeles, ou l'histoire de Barcelone aussi, on essaie d'oublier les impacts de la voiture. Tout ça donc tisse des liens entre les espaces verts et la ville, l'histoire, une certaine complexité, et je dirais aussi au début, comment lisez-vous cette complexité au regard de l'histoire, et est-ce un phénomène nouveau que de se regarder le passé pour le régénérer, de regarder la nature et essayer de la laisser vivre? Comment voyez-vous ces évolutions urbaines depuis quelques temps? Oui, alors je vais essayer effectivement de refaire l'histoire de l'urbanisme à travers cette lecture. C'est très vaste, cette lecture de la santé, c'est effectivement très vaste. La question remonte au XVIIIe siècle, hein, encore au XIXe. Je vais essayer de simplifier disons, ma thèse. Donc, c'est à la fois l'histoire d'un mariage, hein, d'une alliance entre l'urbanisme et la santé dans un premier temps, puis un divorce qui va s'opérer à la fin des années 70. Et qui pose aujourd'hui, avec la nouvelle crise sanitaire que nous affrontons, la question d'une nouvelle alliance, d'un nouveau monde. Voilà en gros la trame. Donc cette alliance qui s'est nouée au début du 19e, exactement, entre médecine et urbanisme, elle s'est faite en raison surtout de la faiblesse de la médecine à cette époque-là, qui n'était pas encore capable d'affronter la première grande crise sanitaire auquel les villes avaient à faire face, les maladies infectieuses, hein, les épidémies qui se répétaient à répétition, dont notamment les épidémies de choléra à répétition. On a eu plus de 6 qui ont frappé la France et Paris, et qui ont semé la terreur, hein, véritablement. Quoi. Et on avait, même Haussmann, même à cette époque-là, demandé à Pasteur de réunir une commission et de se trouver une réponse. Ils n'ont pas pu. Donc, face à ces problèmes de crise sanitaire à cette époque-là, de maladies infectieuses auxquelles s'affrontaient les villes, bon, on a recouru à l'espace et à l'environnement pour résoudre les problèmes, sous l'influence notamment des hygiénistes à cette époque-là et des réformateurs sociaux qui étaient très importants à cette époque-là et qui ont contribué à faire évoluer et à faire naître, on va dire, l'urbanisme. L'urbanisme était né, je dirais, comme pratique avant même d'être nommé, de trouver son nom. Hein, de trouver son nom, puisque l'urbanisme comme néologisme apparaît à peu près vers 1911 avec la Société française d'urbanisme qui est créée à cette époque-là au sein du musée social, dans la section d'ailleurs hygiène rurale et urbaine. Hein, c'est à l'interlat une poignée d'architectes se dénomment cette fois-ci urbanistes. Hein. Alors, donc toute une série d'expériences qui vont apparaître à cette époque-là, dont la plus connue évidemment, c'est celle d'Haussmann, hein, mais il y a également la même
même chose qui s'est passée dans le quartier Grandview, à Londres, avec Chadwick, et puis son bel-grand à lui, qui était Bazalgette, hein, le grand ingénieur anglais, et qui vont construire plus de, des milliers d'égouts souterrains sous Londres. Hein, Londres, dont le seul égout véritable qui existait à cette époque, c'était la Tamise. Hein, on foutait tout dans la Tamise. Et après la grande crise qu'on appelle Big Steam, qui a rempli en peur, hein, qui a eu cette première unité, donc ils ont décidé de construire ce système de goût qui est une des grandes sept merveilles du monde. Alors, Haussmann, lui, va modeler Paris à travers trois grands systèmes. Un système de parc, hein, comme on l'a vu ici, effectivement déjà à cette époque-là, un système d'espace vert. Un système de voies et d'espace public en ouvrant les boulevards et également un système d'équipement d'eau et d'assainissement. Hein. C'est bien que le terme d'urbanisme, je pense que c'est le terme d'urbanisme d'assainissement. On l'a appelé également urbanisme de régularisation, mais parce qu'effectivement, on a tracé les boulevards en cours d'eau à l'intérieur de la ville médiévale. Mais il faut bien voir qu'à cette époque-là, la conception médicale dominante, c'était de l'origine des maladies, c'était les menaces, c'était les mauvaises odeurs. On était persuadé que c'était les menaces et qu'il fallait donc désodoriser la ville. Hein. Désinfecter la ville, c'était désodoriser la ville à cette époque-là. Et donc on va tout faire pour que les mauvaises odeurs s'en aillent. Donc il faut faire circuler l'air, il faut faire circuler les eaux usées, il faut faire circuler les flux, les personnes, etc. Donc c'est la naissance vraiment de l'urbanisme du flux, la naissance des réseaux. Donc désodoriser la ville, alors c'est curieux parce qu'on voit comment une conception erronée de la médecine a quand même pu contribuer à produire un urbanisme plus ou moins efficace, hein, puisqu'on a réussi à travers ça, effectivement, à commencer à juguler ces premières grandes crises, cette première grande crise sanitaire. Mais il n'y a pas eu que l'expérience haussmannienne, hein. Il y a eu des tas d'autres expériences. Il y a eu les cités ouvrières, hein, les fameuses cités ouvrières dans lesquelles, dans la plus célèbre, c'est Mulhouse, hein, où les données, effectivement, des conditions hygiéniques plus dignes aux ouvriers pour aussi permettre la reproduction de leur force de travail. Et déjà là, on voyait la mise en place d'une sorte d'agriculture urbaine. Hein, puisque c'est des jardins coordonnés, c'est des jardins essentiellement potagers. Et alors, il y a les cités jardins, il y a également à cette époque-là les établissements utopiques, hein, dont le plus célèbre est celui du fameux ministère de Guise, hein, qui a été créé en 1874 et qui va durer jusqu'en 1968. Hein, et puis les autres établissements, la WEN, foyeriste, Cabé, etc., qui ont plus ou moins essayé de prendre corps aux États-Unis et ailleurs, et qui ont plus ou moins joué. Il y a eu également la CERDA, qui en 1967 inaugure l'urbanisme comme théorie. Hein, c'est le premier texte inaugural à travers la théorie d'urbanisation, donc en 1867, hein, c'est un texte qui est resté méconnu, mais qui est le premier ouvrage théorique d'urbanisme dit progressiste, hein, et dans lequel la question hygiénique, la question sanitaire était centrale. On a traversé l'ouvrage de part en part, et d'ailleurs le projet que Cerdà a fait pour Barcelone n'est pas du tout ce que Barcelone est devenu par la suite, qui s'est énormément densifié. Barcelone, tel que Cerdà le proposait, était une ville très basse, avec des îlots ouverts, plein de jardins, donc quelque chose de complètement différent de ce que après on a dû intervenir par la suite. Alors, il y a donc Cerdà, il y a également évidemment les grands paysagistes américains aux États-Unis, hein, qui ont introduit les grands systèmes de parcs dans les villes, hein, pour assainir, dont Homestead est un des plus fameux, hein, le Central Park. Il y a également, on doit citer également la Cité Jardin en 1898, hein, qui est créée par Evelyn Sarah Ward, donc là aussi avec une stricte limite à la démographie des villes, à l'extension des villes, puisqu'on limitait la ville
à 9000 habitants, pas plus. Hein, elle ne devait pas, dépasser, sinon il fallait en créer une autre plus loin, pour des raisons sanitaires. Donc, et, il y avait, et puis, Unwin va là-dessus proposer des systèmes, en 1903, des systèmes de composition de ces cités-jardins, et il va les réaliser quelques-unes dans la fameuse Letchworth, en Angleterre, dans la ville de Londres. Et voilà. Et puis, il y a également quelqu'un d'un peu plus méconnu, mais qui est quand même important, sur lequel je travaille un peu en ce moment, qui est Patrick Geddes, hein, qui entre 1904 et 1915 va déjà théoriser l'urbanisme régional, l'environnementalisme, l'idée de l'enquête préalable avant le plan, hein, ce qu'on appelle le survey, enfin, toute une série de choses, et qui lui aussi était scandalisé par l'état sanitaire et l'état d'insalubrité des villes, mais il ne critiquait pas pour autant, enfin, la ville n'était pas, urbaphobe, hein. Au contraire, il cherchait à améliorer la ville, au contraire, à améliorer la ville telle qu'elle existait, au contraire de certains autres. Donc ça, c'est la première étape, si vous voulez, de la modernité. Vous voyez, toute une série de réponses qui ont été apportées assez éparses avec différentes formes urbaines pour répondre à cette crise sanitaire qui était la crise des maladies infectieuses. Alors, on découvrait petit à petit les microbes autour des années 80. On a retrouvé d'où venait le virus le germe du choléra, le germe de la tuberculose, le germe de la typhoïde, etc. Mais on manquait encore de thérapie. On connaissait l'origine, on n'avait pas de thérapie, des vaccins étaient inexistants, donc les antibiotiques étaient inexistants. Et c'est ce qui va déterminer la deuxième modernité à partir des années 1928, hein, avec les congrès internationaux d'architecture moderne qui eux, vont aussi répondre d'une manière encore plus radicale à la forme urbaine, au problème majeur de cette époque-là, qui était la tuberculose, la peste blanche. On appelait à cette époque-là la peste blanche, et donc on avait la seule réponse qu'on avait à cette époque-là face à ce problème, c'était le sanatorium, hein, c'est-à-dire une thérapie par l'air, la lumière et le soleil. Hein, et l'air, la lumière et le soleil vont venir percoler dans l'urbanisme et l'architecture moderne et déterminer les formes de ces nouvelles entités. Hein, je veux dire, aussi bien l'architecture moderne que l'urbanisme, et c'est là qu'on va aller à une destruction radicale de l'îlot. Hein, l'îlot va être jugé insalubre, la ville ancienne va être jugée insalubre, et donc on va casser l'îlot parce qu'on va considérer que l'îlot est pathogène par nature. Hein. C'est ça tout le travail qui a été fait, par exemple, par Castel-Spanneret et d'épaule sur cette histoire, sur cette agonie de l'îlot, qui s'appelle de l'îlot à la barre, hein, que vous connaissez, effectivement. Ils insistent un petit peu trop sur une origine, ils disent que c'est le développement du capitalisme industriel qui aurait engendré cette transformation. À mon avis, ils ont effectivement oublié la question sanitaire. Et pourtant, il suffit de lire le texte de 1933 de la Charte d'Athènes, hein, pour voir à quel point l'obsession sanitaire est présente dans ce texte de la Charte d'Athènes, qui est devenu la Bible, hein, l'ABC de toute une génération d'architectes jusque dans les années 60. Hein, et ce texte-là est traversé de part en part, lui aussi, par cette question sanitaire, hygiénique, et notamment la tuberculose. Hein, et il fallait faire pénétrer cette fois-ci le soleil à l'intérieur des logements pour tuer les germes. Hein, on pouvait tuer les germes par exemple. Donc là, on a dit. Donc voilà. Et alors, on arrive à ce moment-là où, entre-temps, donc, la médecine a fait des progrès, les antibiotiques, la production d'antibiotiques se développe, les vaccins également, et la médecine devient de plus en plus puissante, les progrès médicaux, la biomédecine, etc., connaît des succès fulgurants, et elle va se détacher petit à petit de l'espace et de l'environnement. Donc c'est là où se passe ce divorce-là. D'un côté, il y a la crise de l'architecture moderne, du nouveau moderne, qui est remis en cause à travers tout ce mouvement qu'on a ensuite appelé post-modernisme, hein, l'urbanisme post-moderne. Et de l'autre côté, la médecine qui va suivre
sa propre voie en ignorant la question de l'espace et de l'environnement et s'orienter vers le tout primitif, hein, le tout pharmacologique, le tout biomédical. Je termine. Alors, cette situation-là va nous conduire, après les Trente Glorieuses, à une nouvelle crise sanitaire cette fois-ci, qui est de type environnemental, hein, c'est-à-dire ce à quoi on va assister en raison de ce nouveau développement économique, une pollution généralisée de la planète, hein, c'est bien que la question de la santé aujourd'hui, elle est plus posée en termes environnementaux, hein, qu'en termes d'infection, c'est-à-dire en tout cas pour les sociétés développées. Hein, si vous voulez, bon, je reviendrai un petit peu là tout à l'heure sur cette question, sur cette mutation qu'on appelle aussi une transition épidémiologique, puisqu'aujourd'hui, les nouvelles maladies épidémiques, ce sont toutes ces maladies chroniques qui explosent aujourd'hui et qui nous met en face d'une nouvelle crise sanitaire très grave qu'on ne veut pas souvent voir et que la médecine à nouveau aujourd'hui, qui se prétend toute puissante, ne peut pas résoudre. Oui, l'importance de revenir aujourd'hui à une nouvelle alliance entre médecine et environnement, à refaire appel à nouveau à la question, retravailler également à nouveau sur la question de l'environnement, comme on l'a vu là, sur ces travaux, et sur l'espace, pour pouvoir attaquer en amont l'origine de ces maladies chroniques. C'est bien parce que nous avons M. Denis Pelouel qui va pouvoir réagir par rapport à vos propos. Donc, ce que j'ai compris, effectivement, et ce qui ressort très clairement, c'est que l'espace vert est important, mais c'est surtout l'eau et l'air qui sont des conditions premières de santé. Donc c'est ce point, je le milieu, mais de façon générale. Milieu, voilà. Et donc je crois que c'est en particulier sur ce quoi vous travaillez tout plein air. Donc peut-être par rapport à ce qu'a dit Albert Lévy, peut-être quelques votre point de vue sur un peu l'histoire et l'environnement auquel on arrive progressivement, est-il notre risque majeur? Alors l'histoire. Oui, je vais peut-être prendre le relais, modestement, et en partant du paradoxe de la bactérie. La bactérie, ennemi, contrainte, opportunité. Au travers de l'histoire de l'assainissement et des déchets, d'ailleurs, que ce soit liquide ou solide, c'est totalement parallèle. On est passé d'une approche individuelle à une approche collective et du proche au lointain. En quelques dates, en 1500, on contraint les habitants à construire des fosses dans lesquelles ils doivent mettre leurs excréments. Ce n'est qu'en 1722 que le métier de vidangeur apparaît et qu'on contraint les mêmes habitants à transporter la vidange de ces fosses dans ce que l'on appelle des voiries, un joli mot pour désigner des décharges. Et si j'en parle, c'est parce que, en fait, la dernière voirie parisienne était tout près d'ici, dans le 11e arrondissement, un gigantesque espace qui a fermé en 1854, parce qu'effectivement, il y régnait une puanteur qui est en train de s'étendre dans tout Paris. Et arrive à ce moment-là le préfet, qui est le préfet Poubelle, qui prend un certain nombre de décisions, très inspiré parce qu'effectivement, parce qu'il s'est passé de l'autre côté de la Manche. Les Anglais viennent d'inventer les WC, et donc ça lui sera utile. Il impose donc d'abord qu'on mette les déchets solides dans des boîtes, j'appelle les poubelles, et ensuite que l'on équipe tous les logements de chasse d'eau pour que finalement les trous que l'on devait vidanger soient remplacés par un réseau d'égouts. Et donc, on est du proche, hein, dans l'immeuble, et on va au lointain. Et le lointain, dans un premier temps, c'est pas si loin que ça, c'est à Clichy. Alors, ce qui devait arriver, arriva. C'est-à-dire que ce qui était bloqué dans le 11e arrondissement se retrouve dans des grands tuyaux entre le 11e arrondissement et Clichy. Ça sent tout aussi mauvais. Pendant deux années de suite, c'est une grande puanteur dans Paris. Et donc, on prolonge le tuyau jusqu'à. Jusqu'au plein
les Yvelines, à Cher, à Pierrelaye. Et on a une nouvelle technique, qui est la technique de l'épandage. Et donc, les eaux s'infiltrent dans le sol. Et là, les eaux sont épurées. Donc, dans le même temps, il y a ce débat philosophico-technique entre les hygiénistes et les agronomes. Et puis, il y a une contrainte forte. C'est que l'exposition universelle de 1900 arrive et que la ville doit juste être propre. Et donc, on ne doit pas laisser... ici ou là, des cochonneries ou des mauvaises odeurs subsister. Et donc, entre dans le match, hygiéniste, one point, sans aucun doute. Donc, on construit des usines d'incinération sur le modèle de ce qui s'est construit dans les sanatoriums pour détruire les déchets des malades en Suisse, sur le modèle de ce qui s'est construit aussi à Londres. Donc, trois usines d'incinération qui, d'ailleurs, ont été reconstruites depuis à plusieurs reprises dans une logique qui est une logique complètement différente. Et puis arrive le traitement industriel des eaux aussi, et sur lesquels je reviendrai peut-être, puisque là, c'est le grand retour de la bactérie, puisque l'épuration sont des grands élevages de bactéries qui nous aident aujourd'hui à traiter les eaux. Mais la contradiction ne s'éteint pas, la contradiction entre les agronomes et les hygiénistes ne s'éteint pas. Et là, j'ai besoin de mon texte, on dirait, voilà, un ami de tous vous libro. C'est la substance même du peuple qu'emporte ici goutte à goutte, là à flot, le misérable vomissement de nos égouts dans les fleuves. Donc c'est Victor Hugo, dans Les Misérables, qui dit « Mais arrêtez-moi toute cette matière que nous livrons au fleuve et qui contient des matières qui sont éminemment recyclables, récupérables. » Donc ce débat et ce message, c'est un message qu'on retrouve dans toutes les réflexions du XXe siècle. Et il dit deux choses, c'est premièrement le travail initié par le métabolisme humain. Il n'est pas terminé. Et deuxièmement, c'est au cœur de la ligne qu'il faut valoriser ces déchets. Voilà, la suite de l'épisode tout à l'heure. Voilà. Comment réagis-tu par rapport à ces deux présentations ? Dans lequel ça serait l'hôpital ? Bon, on ressent le corps de l'hôpital tout à fait. Ce propos. Avant d'arriver à l'hôpital numérique, il s'est passé quelques événements majeurs. Oui, oui, tu fais bien de le souligner. Il y a tout un lien étroit entre l'histoire de l'eau et l'histoire de l'hôpital. Je n'ai pas dit l'histoire d'eau, l'histoire de l'eau. Et c'est un lien, vous me rappelez, tout à fait historique, puisque les hôpitaux, à l'origine, se sont installés près des fleuves, plutôt au cœur des cités, mais près des fleuves, parce qu'il fallait s'alimenter en eau, qu'il fallait laver le linge. C'est les bonnes sœurs qui lavaient le linge. Et puis ça permettait d'évacuer les déchets voilà, sans transition et sans filtre. Donc il faut attendre les 40 dernières années pour voir l'hôpital finalement émigrer vers la périphérie suburbaine. Hein, et finalement la grande entreprise high-tech, productrice de soins de haut niveau, va rejoindre en fait l'hypermarché commercial à la périphérie de la cité. Donc il y a tout un débat sur maintenant... Est-ce qu'on va regagner le centre-ville ? Donc cette histoire d'eau, elle est sympathique, mais je dirais qu'il faut se méfier de l'eau qui dort. Parce que dans ma pratique professionnelle, dans ma responsabilité, j'ai vécu un épisode tout à fait douloureux, national, voire international, puisque j'ai quelque part fondé l'hôpital européen Georges Pompidou, et je l'ai dirigé pendant 3 ans, et que le jour de l'ouverture, en juillet 2000, la presse s'est emparée d'un sujet en disant « Regardez cet hôpital magnifique qui a coûté très cher, qui va soi-disant améliorer l'état de santé des populations et qui a tué. » Alors, en fait, cette histoire était totalement construite. C'est-à-dire que le mort, il y a eu effectivement un mort par les légionelloses, qui est une pathologie redoutable, mais ce pauvre monsieur qui avait un cancer du fumeur tout à fait évolué, a attrapé la légionelle dans une clinique que je ne citerai pas, dans les environs de Paris. Et c'est par esprit humain que le chirurgien thoracique de l'hôpital Pompidou a accueilli ce pauvre homme en fin de vie, qui est mort de son cancer métastasé. La légionellose n'a pas arrangé l'affaire,
mais en fait, il n'a jamais été tué par l'hôpital européen Georges Pompidou. Donc, quel plus beau sujet que de dire, finalement, l'hôpital, c'est efficace, oui, mais regardez, il a tué. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres cas de légionellose, qui, eux, malheureusement, ont été, je dirais, une suite thérapeutique plutôt satisfaisante. Ce qui veut dire, là aussi, qu'il ne faut pas nier le problème. C'est-à-dire qu'après enquête, imaginez, finalement, il y a eu un contentieux, qui n'est toujours pas terminé, d'ailleurs, c'est la responsabilité, c'est qu'un défaut de conception, un défaut de réalisation, et un choix très français, qui est un mauvais choix de matériaux, je suis devenu un spécialiste de la plomberie, hein, c'est-à-dire l'acier galvanisé, finalement, s'est traduit par la production de légionelles dans les premiers jours d'ouverture de l'hôpital européen. Donc l'eau peut être dangereuse, et je rejaillis sur ces magnifiques présentations que vous faites tous. Moi, je suis j'adore l'ombrière à Marseille, toutes ces ombrières, ces canopées, etc., ces brumisateurs. Mais il faut savoir que, étant devenu un spécialiste de la légionellose, je me suis intéressé à ce qui se passe dans le monde. 80% des cas de légionellose, qui est une pathologie cognée, viennent du domicile, de domiciles collectifs, type hébergement, la douche par exemple, mais viennent également de tout notre environnement urbain, et en particulier, la grosse crise de Rennes, c'est en promenant son caddie, les Rennais recevaient des nuages de légionnelles qui venaient des tours aéro-réfrigérées de ce qui était autour du centre commercial, et au parc le floral de Amsterdam, c'est là où il y a le plus de morts, où la connaissance épidémiologique a progressé parce que les gens avaient pris un ticket, et on imaginait qu'il fallait 10 jours pour avoir une légionellose. En fait, Amsterdam a montré que certains malades, dont certains ont décédé, étaient venus passer le guichet 20 jours auparavant. Donc, il ne faut pas non plus sublimer les espaces verts, le site urbain, c'est la climatisation, c'est les tours aéro-réfrigérés, et toutes ces technologies, si elles ne sont pas maîtrisées, sont d'une extrême dangerosité. Alors les déchets, vous êtes un spécialiste, je vais vous poser une question, parce que c'est une question qui me taraude, c'est que l'hôpital produit beaucoup de déchets, et notre préoccupation écologique dans les hôpitaux, elle est réelle. Les derniers hôpitaux que Jérôme a construits, ou qu'il va construire, par exemple, ben, on essaye d'être conforme à une référentielle qui est la haute qualité environnementale. Et dans cette haute qualité environnementale, bien sûr, la dimension du traitement des déchets est très présente. Mais l'hôpital est toujours en retard par rapport à la ville et par rapport à la société. Et moi, j'habite ici les Moulineaux. J'ai cru, dans une brochure de la mairie, alors c'est peut-être de la pub, comprendre que dans l'éco-quartier du fort d'ici, les logements étaient équipés de trieurs automatiques de déchets avec aspiration vers une centrale de projection des sacs vers une centrale d'incinération. Et moi, personnellement, j'ai vu ce système, non pas en France, mais à Trondheim, en Norvège, où ils sont très écolos, très forts en technologie de traitement de déchets. Et à l'hôpital de Trondheim, près de l'unité de soins, il y a bien sûr la garde automatique, mais de l'autre côté, il y a plusieurs goulottes avec tri automatique des déchets, envoie vers une centrale qui se trouve au sous-sol. Et cette centrale pneumatique envoie à 1,5 km les déchets de l'hôpital, ce qui permet de réchauffer le quartier. Donc vous voyez l'intérêt aussi financier pour l'hôpital de rentrer dans une logique de traitement de déchets avec une vision écologique et de production d'énergie. Ah, tu fais tout seul la transition et poser la question. Je vais laisser peut-être Denis Benuel répondre à cette idée de recyclage et de déchets, et peut-être même sur ce que rejette un hôpital. Est-ce qu'aujourd'hui, on est perturbé parce que ce qui est rejeté par la ville ou par l'hôpital? Alors, par quel bout le prendre? Je vais plutôt le prendre d'abord globalement. On viendra sur l'hôpital, parce qu'en fait, rentrer dans ce sujet qui est très technique, en fait, les déchets des hôpitaux sont sortis du circuit normal de traitement des déchets, en tout cas pour la partie des déchets infectieux. Exactement. Mais globalement, ce que produit la ville peut s'exprimer de cette façon. Donc notre métabolisme produit des excrétats de différentes manières. Le système digestif qui va à la fois produire de l'énergie et qui va apporter des aliments au corps va avoir un rebut. Et le système rénal qui va purifier le sang produit également un rebut. Et puis
il y a le superflu. Le superflu, c'est ce qu'on retrouve dans notre poubelle. C'est toutes les épluchures, c'est les surplus alimentaires, c'est les emballages, etc. En grande masse, il y a 500 000 tonnes d'urine qui arrivent dans les stations d'épuration en région Île-de-France. Il y a 5 millions de tonnes d'excréments solides qui arrivent dans les stations d'épuration. Il y a 55 millions de tonnes de déchets, dont 700 000 tonnes de déchets alimentaires qui n'ont rien à faire dans les poubelles. Et donc, j'allais dire que les habitants donnent beaucoup. Ils donnent beaucoup parce que ces résidus, en fait, qui sont les déchets pour les uns, sont les ressources pour les autres. Ils contiennent, c'est quoi un déchet, on peut le qualifier, on a beaucoup de noms péjoratifs pour qualifier un déchet, mais c'est avant tout du carbone, c'est avant tout de l'azote, c'est avant tout du phosphore, et donc ça peut être de l'énergie, car le pétrole n'est rien d'autre que du carbone, ce sont des nutriments dont ont besoin les sols. Et donc tous les systèmes urbains aujourd'hui évolués essayent de valoriser l'ensemble de ce qui sera considéré comme des ressources. Donc si je prends les déchets, si je prends le cas exceptionnel de Paris, le réseau de chaleur parisien est alimenté pour la moitié des besoins des immeubles par l'incinération, donc la valorisation des déchets ménagers, avec trois superbes centres d'ailleurs qui sont aux portes de Paris, à Saint-Ouen, à Issy-les-Moulineaux et à Ivry, et qui viennent en complément, bien sûr, de tout le recyclage. Mais j'étais sur la valorisation du carbone. Les stations d'épuration, je le disais tout à l'heure, vont élever des colonies de bactéries dans ce qu'on appelle des digesteurs, des méthaniseurs. Hein, c'est une sorte de cocotte minute dans laquelle on met tous les produits agréables dont je parlais tout à l'heure, et qui vont transformer, ces bactéries vont transformer nos matières en méthane. Et ce méthane, donc, peut être recyclé, et cette fois-ci dans un cycle qui est tout à fait révélateur d'une économie circulaire avec des circuits courts, puisque l'idée étant cet échange entre la ville et puis l'utilité, la station d'épuration ou l'usine, avec un envoi de produits, de sous-produits, appelez-les comme vous voulez, de miasmes, et un retour en énergie et en compost, en amendements organiques qui servent à la fois à la vie économique et à la vie environnementale du pays. Donc oui, cette économie circulaire, elle existe d'ores et déjà. Alors, bien sûr qu'on évolue et que la loi de transition énergétique très récente nous fait regarder ce cycle avec beaucoup plus d'attention en améliorant tous les systèmes de manière à pouvoir produire le maximum d'énergie à partir de ces produits, sous-produits, ressources, déchets, rebuts, cochonneries, appelons-les comme on veut. Très bien. Et donc, on le voit, donc c'est... Donc, tout à l'heure, on était dans les potagers, là, on est parti dans l'étape suivante. Est-ce que ce concept de santé et d'hygiène urbain, devant les infections, devant les nouvelles épidémies, devant les risques bactériologiques, actuellement on fait l'Institut des maladies infectieuses à Marseille, on sent que ces problématiques sont les problématiques de demain. Est-ce que cette conscientisation, si je puis dire, de la santé dans les villes est un phénomène aujourd'hui pris en compte dans notre urbanisme ? Non, pas assez, je dirais. C'est bien pour ça que le problème se pose, comme je disais tout à l'heure, de retrouver une nouvelle alliance. Mais juste avant, si vous me permettez, j'aimerais juste ajouter quelque chose à mon tableau précédemment, parce qu'on a oublié quand même une pathologie très importante qui concerne nos villes, hein, qui concerne encore les villes aujourd'hui de manière très importante, hein, puisqu'elle concerne 20% des Français aujourd'hui, ce sont les maladies mentales. Et je pense que les villes sont directement concernées à ce niveau-là. Donc pour les maladies mentales, c'est encore Haussmann qui invente l'asile. Hein, l'asile psychiatrique, à partir d'une expérience auquel il a participé dans Lyon, quand il était préfet dans Lyon.
donc avant de venir à Paris, il avait vu un petit hôpital psychiatrique qui fonctionnait pour lui très très bien, et il va reproduire ce modèle à Paris pour construire les grands asiles psychiatriques qu'on connaît donc autour de Paris, donc là aussi à l'extérieur, donc, comme le Villebras, Charenton, etc. Et puis il y aura Sainte-Anne dans le centre. Mais donc c'était là encore, face à une incompréhension, une impuissance de la médecine psychiatrique à cette époque-là, qui était extrêmement en retard pour saisir l'origine et le traitement de ces maladies mentales, de les solutionner par l'espace. On pensait véritablement qu'en mettant ces gens à l'écart, en les enfermant et en les faisant vivre dans un espace extrêmement régularisé, bien symétrique, etc., on permettrait de résoudre le désordre qu'il y a dans leur tête. Et donc, il y avait une discipline. Donc, la discipline spatiale était aussi accompagnée d'une discipline de vie, une discipline de traitement très, très stricte. Et on pensait qu'on allait résoudre la question des maladies mentales par ces asiles qui étaient, il faut dire, bon, des véritables petites villes séparées, puisqu'elles pouvaient comprendre des fois entre 8000 et 10 000 aliénés qui vivaient là-dedans, séparés du reste de la ville, que les parents pouvaient aller voir de temps en temps. Mais fermé, séparé de la ville et fermé. Donc, ce système-là va être contesté par l'antipsychiatrie, etc., et remis en cause, là encore, grâce à l'invention des psychotropes. Les psychotropes vont permettre de libérer les asiles et de faire tomber les murs des asiles. Faire tomber les murs des asiles et les mettre, et donc de pouvoir les faire vivre, en tout cas pour ceux qui sont les plus aptes, à l'intérieur de l'espace urbain. C'est la psychiatrie de secteur. C'est la psychiatrie de secteur qui est soutenue également, évidemment, par la psychanalyse, qui enfin pénètre la forteresse psychiatrique, qui a été très, 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 très étanche à la psychanalyse pendant très longtemps. Et donc ça, voilà. Donc là, on va... Mais en même temps, le revers de ça, c'est qu'on assiste aujourd'hui à une consommation de psychotropes qui est quelque chose de phénoménal, puisque les Français aujourd'hui consomment plus de 135 millions de boîtes de psychotropes par année. Un des records dans le monde, donc, pour faire face à toutes les sortes de stress, de maladies, de troubles de comportement, d'insomnie, d'anxiété, d'angoisse, etc., donc, qui accompagne, qui suit la vie moderne, qui est liée à la vie moderne. Et, bon, et face et justement à cette surconsommation de médicaments, avec toutes les conséquences que ça comporte, et qui évidemment au grand profit des laboratoires, certains psychiatres reviennent à nouveau au traitement spatial. C'est ce qu'on appelle la psychiatrie institutionnelle. La psychiatrie institutionnelle essaye de retrouver, à travers un nouveau type d'aménagement d'espace, un nouveau type, ça s'appelle plus l'asile, donc ça s'appelle clinique. Un des exemples modèles, c'est celui de Laborde, la clinique Laborde, qui essaye de reformuler autrement le rapport entre les soignants et les soignés, de redonner de la place aux aliénés à l'intérieur de l'institution, de les faire participer au fonctionnement de l'institution, etc. Et tout ça souvent dans un château, dans un parc, donc un espace qui n'a plus rien à voir, évidemment, avec les anciens asiles qui étaient de véritables prisons. Il faut le dire. Donc voilà, ce que je voulais dire par rapport à cette question des maladies mentales. On en est encore là, je veux dire, et on n'a pas encore trouvé de réponse à la crise de la santé mentale, surtout qu'en France, on est très en retard dans ce domaine-là par rapport à d'autres pays où la recherche est très faible, par rapport aux Anglais ou aux États-Unis. La recherche dans le domaine de la santé mentale est excessivement faible. Donc là aussi, des expériences comme celle de Laborde, etc., sont extrêmement intéressantes du point de vue spatial, du point de vue urbain, savoir comment on tente de résoudre ces problèmes et limiter la consommation pharmacologique. Oui, donc vous avez bien soulevé, M. Lévy, donc l'importance qu'il y a entre la position d'hôpital et la position de la ville. Mais est-ce que cette relation ville-hôpital évolue
On a quand même des lieux curatifs et puis la ville qui, par le biais d'infrastructures, essaye de limiter les dégâts. Mais est-ce que la relation par rapport au concept de la santé entre ville et hôpital est en phase ou en passe d'évoluer vers des notions de prévention plus que de, d'aspect curatif? Peut-être Louis. Le rapport, enfin, la question, je la reformulerai, mais je vais y venir de façon directe, c'est en quoi l'hôpital participe à la bonne forme des citoyens de la ville, contribue à l'état de bonne santé de la population. À ce niveau-là, il faut être modeste. C'est-à-dire que c'est vrai que l'entreprise de soins, elle est performante, elle est de plus en plus, qu'on investit dans les biotechnologies les plus complexes, les moins invasives possibles, les plus efficaces. Mais il faut rester modeste, parce que si on en croit l'épidémiologiste Alain de Verre, la bonne forme d'une population, qu'elle soit urbaine ou pas d'ailleurs, elle est due à 43% à des facteurs de comportement individuel. Donc la principale cause de mauvaise santé, c'est vos comportements. Et les miens pour ce qui me concerne. La deuxième cause de bonne ou de mauvaise santé, c'est les facteurs personnels. Bon, pas Jérôme est peut-être plus costaud que moi sur le plan génétique. Donc ce qu'on appelle la famille des facteurs bio-endogénétiques. 23%. Troisième cause, facteur explicatif de la bonne santé d'une population, et là on touche les paysages, l'architecture, c'est la qualité de l'environnement. Et vous voyez que dans le modèle de Devers, l'hôpital, en tant qu'entreprise de soins, ne concerne que 11% de l'état de santé de la population. Est-ce que c'est pour dire que l'hôpital n'est pas efficace? Si, il est très efficace. Et il faut continuer à investir dans les biotechnologies. Et maintenant, pour revenir à la question sur le repositionnement de l'hôpital, il faut investir massivement dans les technologies de l'information et de la communication. Donc c'est un peu l'objet de mon bouquin. C'est-à-dire, il faut que l'hôpital soit numérique. Alors pourquoi? Ben, je vais donner des exemples qui permettent le repositionnement de l'hôpital. Pourquoi investir dans le IT? Si je prends par exemple la traçabilité spatio-temporelle, en termes plus simples, la géolocalisation. Si dans votre clinique ou dans votre hôpital, vous avez un système qui vous permet de faire du marquage à la culotte de tous les biens consommés, y compris les médicaments, de tous les personnels, anesthésistes, chirurgiens, de tous les équipements lourds, bien vous avez des chances en faisant cette traçabilité, le jour J où il y a une urgence ou une intervention programmée, de pouvoir réussir ce qu'on appelle la concordance des temps. Et ce qui, finalement, explique une grande part de l'inefficacité des structures de soins, c'est qu'il est très difficile, surtout dans des établissements où il y a des urgences, c'est plus facile en clinique, c'est plus petit, il n'y a pas d'urgence, et c'est très difficile d'opérer la concordance des temps. Si vous dotez votre hôpital ou votre clinique d'un système de gestion de workflow, là on est dans les logiciels spécialisés, ou de bed management, vous êtes dans la dimension de l'optimisation du parcours de soins, à la fois à l'intérieur de l'hôpital, mais surtout de plus en plus à l'extérieur de l'hôpital. Si votre devenir, c'est d'aller en maison de rééducation, on le gère, on le régule. Si votre devenir, ce qu'on souhaite, c'est de retour à domicile, on le gère en essayant d'optimiser le parcours de soins interne et externe. Mais surtout, l'investissement principal, et à la France, on a pris quand même quelques longueurs de retard, c'est le dossier patient électronique partagé. Comment on peut imaginer à l'échelle d'un territoire où tous les acteurs de santé sont cloisonnés parce qu'ils sont en concurrence, les médecins traités, les infirmières libérales, les kinésithérapeutes, l'hôpital, les cliniques qui n'échangent rien. Je n'ai jamais vu en France une clinique et un hôpital échanger leur dossier patient électronique. Donc à ce stade de cloisonnement, on peut imaginer rendre notre système de santé, qu'il soit hospitalier ou pas, plus efficace. L'enjeu majeur pour la France, c'est de décloisonner les pratiques en mettant en place à l'échelle d'un territoire de santé un dossier patient électronique partagé, ce qui se fait dans la région de Valence, ce qui se fait dans les grands États comme l'Ohio aux États-Unis pour 6 millions de personnes, ce qui se fait même à l'échelle de pays comme la Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, certains d'entre vous y sont certainement allés, le médecin traitant, l'infirmière à domicile, l'hôpital, la clinique partagent le même dossier patient électronique qui est actualisé en permanence en temps réel.
Alors pour terminer sur le chapitre du digital, parce que là je pourrais vous tenir pendant 3 heures, hein, bon, il y a effectivement un repositionnement nouveau en dehors de l'aspect efficacité thérapeutique, efficacité diagnostique, sécurité du diagnostic et de la thérapeutique. Ce repositionnement, il s'explique par ce que vous avez dit, c'est-à-dire l'état de chronicité des maladies. Toutes les maladies sont devenues chroniques, en dehors des infections et en dehors de la traumatologie. Tout le reste sont des maladies systémiques. Le sida est devenu une maladie systémique chronique. Le cancer, dans les meilleurs des cas, est une maladie chronique. Tout est devenu chronique. Et dans notre vieux pays, on est quand même 12 millions à avoir la carte d'allocation longue durée de la sécurité sociale. Je ne vous dis pas 1 million, 12 millions. Donc on voit bien que la dimension de la chronicité est une des dimensions majeures dans l'organisation. Partant de là, l'essentiel des soins des malades chroniques, dont je suis, vous êtes certainement, pour certains d'entre vous, c'est le domicile. C'est-à-dire qu'on se fait soigner à domicile. Et on est en rapport avec son médecin référent, son infirmière qui vient à domicile, tous les acteurs paramédicaux, sociaux qui peuvent intervenir, y compris sur les maladies mentales. Ces acteurs sont des pratiques cloisonnées. Donc l'enjeu, c'est d'une part d'avoir une réflexion, y compris architecturale, sur le logement, parce que le domicile devient le domicile care. Et que maintenant, dans un territoire de santé, vous avez l'hôpital care, c'est sa tradition, mais l'élément nouveau, c'est le domicile care. Et entre le domicile care et l'hôpital care, eh bien, grâce aux technologies de l'information et de la communication, vous avez tous les relais qui existent, le dossier patient électronique, la messagerie sécurisée, la télémédecine, les logiciels spécialisés pour smartphone, les objets connectés. Donc on va vivre une nouvelle dimension de l'organisation du territoire de santé s'il y a des incitations à faire en sorte que les acteurs se décloisonnent. Et l'enjeu, il est bien là. Autre élément également lié aux technologies de communication et d'information, c'est qu'on voit bien que l'hôpital, le sujet, c'est qu'il est toujours bon, il restera toujours bon dans cette dimension du care et de plus en plus du high care, puisque la plupart des Français meurent en réanimation, en soins intensifs, et qu'on a créé d'ailleurs de nouvelles unités qui s'appellent la surveillance continue. Et qu'un hôpital moderne, c'est plus des plumards pour héberger, c'est de l'ambulatoire, des consultations, qui peuvent d'ailleurs se trouver au centre de la ville, et c'est du lourd, de la réanimation, des soins intensifs de cardiologie, de neurologie, des surveillances continues, et puis une partie d'hospitalisation qui, dans la plupart des cas, fait 4 jours. Donc vous voyez que cette transmutation fait que l'hôpital, stratégiquement, va être amené à se repositionner sur un rôle qui a effectivement été abandonné au cours de l'histoire, qui est un centre d'ingénierie de l'éducation de la santé, de l'école jusqu'au cœur des entreprises. Un centre de production de toutes les règles de bonne forme, un centre de traitement des données qui viennent de tous les instruments qui permettent de se mesurer soi-même. Quantified self, ben oui, mais quantified self, qu'est-ce qu'on fait des données? Donc on voit bien que quand on va quitter les rives de la bonne forme et qu'on va arriver à la maladie chronique à différents stades, pour les insuffisants respiratoires, pour les insuffisants cardiaques, pour les diabétiques, eh bien l'hôpital va jouer le rôle de traitement, de l'analyse, des données, va se nourrir des informations données par le patient qui est de plus en plus acteur, mais en même temps, pour certains types de pathologies, par exemple toutes les addictions, on ne parle pas des addictions, on parle des maladies psychiatriques, mais une des pathologies dominantes chez les jeunes, c'est les addictions. Eh bien, les addictions, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire du marquage à la culotte. Respecter l'autonomie de l'acteur, du patient, mais en même temps, par les technologies modernes, par le smartphone, par les logiciels spécialisés, faire en sorte de téléphoner ou d'envoyer un message à M. Jérôme en lui disant « Tu as oublié de prendre ta pilule du vendredi soir ». Je n'ai pas dit que c'était le Prozac ni la petite pilule bleue. Hein. Voilà. Donc, un rôle aussi pour l'hôpital de coaching. Donc éducation santé, coaching, rôle traditionnel, repositionnement de la coordination du parcours de soins grâce à l'investissement digital au niveau d'un territoire de santé. Bon, je vois que tu regardes dans mon dossier patient, ça m'inquiète beaucoup. Tu as parlé de beaucoup de choses, donc je vais peut-être poser deux questions. D'une part, une question sur le logement à Berlin, mais peut-être avant, sur la notion de comportement individuel. Là, tu as parlé du patient, on avait parlé aussi du patient acteur qui devenait l'action. C'était peut-être ce que nous avions brossé dans une autre réunion de la fondation
Montefilippo, Monteleone. Nos comportements sont-ils si déviants que ça? Jette-t-on autant nos mégots? Pourrait-on améliorer nos comportements? Et cela améliorerait-il l'hygiène urbaine? Oui, variation sur le paradoxe, donc le paradoxe du motard. Le motard, je reviens un peu en arrière, à Paris, nous avons la chance d'avoir deux réseaux d'eau. Un réseau d'eau potable et un réseau d'eau non potable. Le réseau dit d'eau non potable puise son eau dans le canal Saint-Martin et permet de nettoyer les rues, de nettoyer les égouts, d'arroser les jardins. C'est assez unique. Et aujourd'hui, dans les villes nouvelles, en fait, les urbanistes, les architectes pensent à imaginer des systèmes avec des doubles réseaux d'eau dès le départ. Un réseau avec des usages qui nécessitent une qualité alimentaire et un réseau avec des usages qui nécessitent une qualité qui est non alimentaire. Donc ici, nous l'appellerons un réseau de non potable. Donc, ce que vous voyez à Paris couler dans les caniveaux, et vous voyez le petit balayeur à côté qui emmène les déchets qui sont ensuite transportés par cette petite vague d'eau et vont dans le caniveau. Le caniveau, c'est donc de l'eau non potable. Et un des effets bénéfiques corollaires de ce réseau de l'eau potable, c'est que lorsqu'on est motard et que on roule dans une rue où cette eau circule, on sent par grande chaleur, on a un sentiment de fraîcheur. Et donc la question de l'adaptation au dérèglement climatique, parce que pour l'atténuation, on a loupé le coche il y a une quarantaine d'années, mais pour toutes les mesures d'adaptation au règlement climatique, il y a aussi cette recherche de comment utiliser l'eau dans la ville. Alors c'est un paradoxe en même temps, parce que d'un côté, il y a un confort, puisqu'en tant que motard, je ressens plutôt un confort. Il y a aussi un impératif de santé publique, parce que si je prends la canicule de 2003 entre la forêt de Saint-Cloud et le centre de Paris, il y avait une température nocturne, il y avait une différence de 8 degrés, et donc une grande souffrance au cœur de Paris. Et donc c'est bien de la canicule que je parle, et toute mesure visant à réduire ne serait-ce que d'un demi-degré ou un degré la température aura des impacts importants à la fois sur le confort et à la fois sur la santé publique. Et en même temps, je vais consommer de l'eau. Donc c'est ce paradoxe. J'ai une ressource qui est une ressource rare. J'aurais envie de la consommer. J'aurais envie de la consommer pour le confort ou pour un besoin de santé publique. Et pourtant, elle est rare. Néanmoins, j'attire votre attention sur la chance qu'ont les Parisiens d'avoir ce réseau, parce que le même motard peut marcher dans une crotte de chien. Et si vous n'avez pas une flaque d'eau à proximité et justement l'eau qui coule dans le caniveau, je vous mets au défi de nettoyer. On fait tous pareil, hein, rassurez-vous. Hein. C'est quand même assez compliqué entre le moment où on a marché dedans et le moment où on arrive chez soi. Il se passe énormément de temps et on a pollué de grandes surfaces. Lorsqu'il y a le réseau, grâce au réseau d'eau potable, c'est là qu'on peut les nettoyer. Deuxième paradoxe, là vous me tendez une perche, c'est le paradoxe du buveur d'eau. Le paradoxe du buveur d'eau, et donc allons-y sur les comportements. Mais qu'est-ce qui peut nous amener à boire une eau qui coûte 1 euro le litre, alors qu'à 5 mètres d'ici, il y a un robinet avec de l'eau qui coûte 0,3 centimes le litre, qui est une qualité microbiologique, minérale, etc., équivalente à celle-là, qui n'aura pas nécessité la camionnette avec son moteur diesel pour l'approvisionner, qui ne me laissera pas une bouteille en plastique dont je ne sais que faire, qui plus est, qui, depuis qu'elle est sur la table, aura chauffé, alors que si je vais au robinet, j'aurai de l'eau fraîche, parce que l'eau parisienne vient de sources qui sont distantes de 100 km, et donc elle est fraîche toute l'année. Et donc c'est ce paradoxe. Et d'une façon générale, ce paradoxe, on le retrouve, c'est le paradoxe du consommateur écologiste. Parce que, cette même bouteille, je ne supporterais pas qu'elle s'aplatisse. Et donc, le,
le fabricant de la bouteille va mettre un plastique suffisamment épais pour qu'elle ne s'aplatisse pas. Et donc ça fait du poids en plus. Et puis j'ai besoin de blisters parce que je n'ai quand même pas à chaque fois ramené une seule bouteille. Et donc j'ai besoin qu'il y ait des packs de 15, etc. Et bien sûr, je pesterai contre tous les anti-environnementaux. Donc, oui, notre vie est faite de paradoxes. Et nos comportements, alors, évoquer les salissures de la ville, enfin bon, voilà. Mais si c'est pour nous agacer tous collectivement encore plus que nous le sommes, cette relation que nous avons à l'espace public, elle est juste indécente. Je veux dire, le fait de jeter des mégots, je pense que déjà la personne ne le fera ici, encore moins chez soi. Avez-vous vu l'état de l'espace public après un concert, après une manifestation? Et ça ne va pas, ce que je veux dire, c'est que ça ne va pas en s'améliorant. Et derrière, on peut développer toutes les technologies les plus subtiles, innovantes, etc. S'il n'y a pas aussi ce travail, et c'est sans doute le travail, comment dirais-je, ou la relation à l'espace public, en fait, l'action publique restera beaucoup moins efficace qu'elle pourrait l'être. Oui, certainement que ça passe par là. Et ce qu'évoquait aussi Louis, effectivement, le rôle de l'hôpital dans l'éducation thérapeutique, mais peut-être l'éducation civique, tout simplement. Et pensez-vous... C'est la santé environnementale. La santé environnementale. Et peut-être par rapport au logement, donc Louis évoquait effectivement la relation entre l'hôpital et le domicile, et il parlait de dome care. Est-ce que vous voyez des évolutions par rapport à le mode d'habitat de demain dans nos cités, ou qu'est-ce qui se dessine progressivement dans nos aspirations? Est-ce qu'on est toujours dans le mythe de la maison individuelle avec son petit jardin de 400 mètres carrés qui produit de la consommation territoriale? Ou commence-t-on à avoir d'autres modèles on parlait de densité, effectivement, on a les cités de Limousin comme espace vert et qui aurait pu être à une époque, effectivement, un optimum pour vivre en bonne santé. Aujourd'hui, on parle de la ville comme sollicitante, comme nous sollicitant, comme active, comme lieu où l'accès aux soins est peut-être plus facile qu'ailleurs. Avez-vous une idée sur une tendance sur l'habitat de demain? Oui, l'habitat de demain, effectivement, il s'esquisse dans un certain nombre d'expériences nouvelles qu'on appelle, c'est-à-dire les écoquartiers, hein, où les préoccupations sont surtout d'ordre environnemental, énergie, consommation d'énergie, économie d'énergie, etc. Et pas suffisamment peut-être la question de la santé. Hein. Évidemment, elle est indirectement présente, mais elle va être plus explicite. Alors, effectivement, on introduit de plus en plus dans ces écoquartiers de la nature, de l'agriculture urbaine, etc. Bon, on écarte les moyens de circulation comme l'automobile, et on essaye de les desservir par les transports publics, et l'usage du vélo, etc. Tout ça, certainement, a des impacts sur la santé. Mais il faudrait effectivement avoir... C'est comme toute la question de l'urbanisme durable, hein, c'est mieux incorporer là-dedans la dimension santé, qui n'est pas suffisamment présente. Et tout ça, c'est parce que d'une part, les urbanistes et les architectes ne se préoccupent pas tellement de cette question sanitaire. Hein, ils pensent que ça ne les concerne pas. Ça concerne l'hôpital, ça concerne le médecin, mais ce n'est pas à eux de le faire, d'une part. Hein. Et de l'autre côté, du côté des professions de la santé et des médecins, de la même manière... la dimension spatiale, environnementale, c'est pas le premier de leurs soucis. Hein, je veux dire, ils font pas de lien direct avec les problèmes de santé. Donc bon, on commence effectivement à corriger ça, mais comme je disais tout à l'heure, il faut un énorme travail d'éducation, d'information effectivement pour pouvoir faire prendre conscience de la dimension de la santé environnementale. Et toutes ces pathologies dont on parlait, de maladies chroniques, qui en sont directement issues. Donc,
comme les cancers, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires, les diabètes, les allergies, etc. Et maintenant, sur la question du logement proprement dit, donc il y a effectivement toujours ce... Bon, on sait qu'une des premières qualités du logement, on pourrait dire que c'est sa quantité, que c'est sa taille. Hein. Je veux dire, il y a encore récemment un débat à Chaillot où il parlait de ça. Je veux dire que malheureusement, nos logements sont encore trop petits, et beaucoup de familles nombreuses donc ont des difficultés à vivre dans des logements exigus, où on fait des salons aussi de la même taille pour deux personnes que pour 5, 6, 7 personnes, avec des cuisines dites laboratoires, etc. Donc, où la vie intérieure cause souvent beaucoup de problèmes. La vie domestique et la vie familiale s'en ressent. Hein, et les conséquences dont je parlais tout à l'heure. Donc, là, sur le logement, effectivement, il faut faire là aussi cette réflexion là-dessus. Et ne pas oublier qu'il y a en France, je veux dire, un problème fondamental de crise du logement, je veux dire, qui est ce qu'on appelle le mal-logement, hein, sur laquelle travaille la Fondation Abbé Pierre. Hein, on sait que plus de 10 millions de Français souffrent de mal-logement, hein, dont plus de 3 millions d'une manière très, très dure, hein, je veux dire. Et cela a des conséquences catastrophiques, hein, je veux dire, au niveau sanitaire. D'un côté, il y a des problèmes de précarité énergétique, de l'autre côté, des problèmes de saturnisme, de l'autre côté, des problèmes de pathologie mentale, etc. Donc là, la question du logement est à la fois dans sa dimension quantitative, crise du logement, et en même temps qualitative. Aujourd'hui, répondre à la problématique environnementale, hein, qui doit être lié forcément à la question sanitaire, hein, sur ce qu'on évoquait, à toutes ces nouvelles pathologies qui nous guettent, hein, et dans lesquelles nous sommes déjà dedans d'ailleurs, et qui ne font que grossir. Et donc le territoire s'organise, on a entendu parler des groupes hospitaliers de territoire. Est-ce un moyen de répondre à ces problématiques soulevées pour mieux être soigné et... Va-t-on, grâce à ce groupe hospitalier de territoire, pouvoir davantage faire de prévention qu'être curatif ? Comme toujours en France, on a des grands vocables, groupement hospitalier de territoire. Il y a 4-5 ans, ça s'appelait communauté hospitalier de territoire. C'est la même chose. Il y en a combien aujourd'hui ? Des vrais, zéro. D'accord ? Donc c'est vrai que le futur groupement hospitalier de territoire, tel qu'on peut l'imaginer, c'est le décloisonnement des acteurs. C'est-à-dire que les hôpitaux entre eux, qui sont eux-mêmes en concurrence, acceptent qu'un hôpital soit l'hôpital pivot à l'échelle d'un territoire de 150 000 habitants, en gros, 200 000 habitants. Donc déjà, c'est pas facile. Il faut que l'hôpital pivot joue son rôle de maître d'œuvre d'un système d'information qu'il pilote et qui irrigue, parce qu'il est intégré et ouvert, l'ensemble des acteurs du territoire. Donc déjà, faire communiquer un médecin avec son confrère concurrent, faire passer les mêmes informations, c'est pas gagné. Par rapport à une problématique qui est la pénurie de médecins, qui est une fausse pénurie, puisqu'il n'y a jamais eu autant de médecins que l'an dernier, en France, en chiffre absolu. Donc c'est vrai que ça va se réduire, mais en nombre absolu, il n'y a jamais eu autant de médecins. Le problème, c'est qu'ils sont mal répartis. C'est qu'en France, on a trop de spécialistes, pas d'assez généralistes. Et que la jeune génération a tendance à choisir la pratique de confort, la chirurgie de la main. J'ai pas vu beaucoup de jeunes choisir, par exemple, la traumatologie. Par contre, le nombre d'internes à Pompidou qui choisissaient la chirurgie de la main, peinard, lundi, vendredi, chirurgie ambulatoire, la dermatologie, le petit bouton, ça c'est Florès. Donc le sujet, c'est pas franchement un sujet technique, c'est un sujet politique. Donc est-ce qu'il y aura le courage politique de pousser les hôpitaux à fusionner ? Christian est là, il est témoin. Nous avons mené ensemble une opération qui a quand même consisté à fermer 4 hôpitaux. La Hennec, Boussico-Broussé, Saint-Lazare, et à fusionner les activités. Et en même temps, fusionner les activités médicales, universitaires, mais aussi fusionner toutes les activités médico-techniques et logistiques. Ça a réduit le nombre d'emplois de 1000. Ce qui fait que le budget de l'hôpital européen, quand il a ouvert, n'était pas différent du budget des 4 hôpitaux qui ont été fermés. C'est des choix d'efficience, c'est des choix de qualité, mais ce sont des choix très difficiles.
très très difficile, c'est-à-dire mener une opération de restructuration dans un territoire de santé, constituer un groupement hospitalier de territoire, faire partager l'information, ça mettra du temps. Mais on progresse. Je pense que, par exemple, les maires qui sont confrontés à des problématiques de pénurie, et c'est pas simplement en Auvergne ou en Lozère, hein, c'est peut-être à Paris ou même en Bretagne, je suis dans la presqu'île de Ruy, ben les maires sont très sensibilisés au fait que les vrais médecins qui existaient, ils partent en retraite et ne sont pas remplacés. Donc là, on voit ce que peut apporter le numérique, ce que peut apporter l'hôpital dans un rôle pivot, regroupant les hôpitaux, les cliniques. C'est une maison de santé. Alors les maires, dans un premier temps, c'est le bon réflexe, bien français, et ça intéresse les architectes, ils font construire une maison. Ils l'appellent la maison de santé. Et puis on la loue aux infirmières, aux kinés. Faux. L'essentiel, c'est que les médecins, qu'ils soient chez eux, les infirmières, qu'elles soient groupées, les kinés, partagent le même dossier patient électronique. Donc investissent dans un même système d'information et le même système de certification de leurs compétences. Donc il faut moins investir dans le béton, il faut plus investir dans la toile, 2.0, 3.0. Ça, c'est vraiment absolument indispensable si on veut réformer notre système de santé, qu'il soit urbain ou rural. Peut-être avant de conclure, je vais laisser la parole à M. Le Pennuel. Est-ce qu'on pourra encore boire de l'eau en ville, simplement, demain? Est-ce qu'il y aura des fontaines dans Paris? Oui, c'est le côté assez agréable. Hein, c'est l'eau amie, hein, les fontaines, les lacs, demain peut-être la baignade. Hein, c'est l'eau telle que l'on l'aime, sachant que l'autre eau, c'est celle que vous avez connue la semaine dernière, c'est l'eau qui présente des risques, c'est l'eau qui emporte tout sur son chemin, c'est la crue qui emmène avec elle et qui charrie ses déchets et qui présente d'énormes dangers. Donc on reste dans ces paradoxes. Et je vous laisse méditer parce que nous sommes tous conduits à faire des économies d'eau. Ça paraît être à la fois normal, c'est ce qu'on nous apprend. Et puis lorsqu'on est sous la douche, on se dit quand même que rester sous une douche, c'est quand même bien agréable. Mais il faut commencer par les pieds. Et si on veut pas avoir la légionnaire, si vous louez par exemple un chalet, comme ma première recommandation, ne pas prendre la douche sur la tête, sur les pieds pendant un bon moment, parce que l'eau à 32 degrés est bien macérée, c'est ça qui provoque la légionnaire. Donc c'est quelques conseils comme ça qui sont absolument indispensables. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans notre domaine, tout à l'heure je disais hygiéniste one point, face à un chronome, en fait on rééquilibre, c'est-à-dire que s'il y avait deux orientations concernant le logement et l'urbanisme, hein, qu'on essaye de faire prendre, la première c'est que toutes les eaux météoriques qui partaient vers les stations d'épuration, hein, puisque Haussmann a créé une voirie totalement imperméabilisée qui avait comme objectif de renvoyer toutes ces eaux le plus loin possible et le plus rapidement possible vers l'extérieur. Aujourd'hui, on y revient pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. C'est que cette eau qui vient du ciel et qui n'est pas polluée lorsqu'elle tombe par terre a beaucoup mieux à faire là où elle tombe que ailleurs polluée et qu'elle doit être traitée. Et notamment, une fois de plus, on doit adapter notre territoire au dérèglement climatique, c'est-à-dire avec des hausses de température qui aujourd'hui sont annoncées, en plus qui sont annoncées à la mi-siècle. Et la mi-siècle, c'est demain pour transformer la ville et au rythme d'ailleurs de transformation de l'urbanisme d'une ville. Il faut vraiment développer les trams vertes et bleues, et en particulier les trams vertes. Et donc, si je reviens à la question du logement et de l'urbanisme, ne pas accepter aujourd'hui que l'eau aille ailleurs que sur la parcelle où est construit un immeuble. Et il y a différentes possibilités qui permettent de le faire. Si je vais dans l'appartement, cette fois-ci, et j'en suis juste le ballon, et vous allez penser que je vais réintroduire des odeurs qu'on avait oubliées dans l'appartement et prendre le contre-pied de Monsieur Water Closet. Parce que aujourd'hui, il y a un sujet qui est assez intéressant, qui est celui d'un engrais qui s'appelle l'azote. Savez-vous que 80% de l'azote qui arrive dans les stations d'épuration provient des urines?
Cet azote, aujourd'hui, il ne faut pas le laisser partir dans les milieux naturels parce qu'il se transforme en nitrate, en nitrite, en saloperies diverses et variées qui posent des problèmes à l'environnement. Et donc, pour réduire l'azote, nous avons des équipements, nous mettons des réactifs en grande quantité pour le transformer en différentes phases et finalement pour le transformer en azote atmosphérique. Donc ça repart à l'atmosphère et ça ne sert en rien à l'atmosphère. Donc je refais le film, c'est-à-dire qu'au début on a quelque chose qui ressemble à un engrais, qui a une valeur nutritionnelle très élevée, on dilue ça dans une chasse d'eau, on retrouve ça à 50 km dans les stations d'épuration et on doit le traiter. Et donc, une des idées mais qui nécessite justement à la fois de la recherche et une modification forte de comportement, ça serait des collectes sélectives d'urine dans les toilettes, en les collectant séparément. Et donc là, on a typiquement une mesure qui permet d'un côté d'avoir un produit qui est presque directement valorisable, et de l'autre côté, ne pas avoir à transporter et à traiter de l'azote. Ça nécessite uniquement la modification à la fois de tous les logements, on pourrait commencer par les logements, la fin, par les nouvelles opérations, mais aussi la modification des comportements, parce que pour les urinoirs, donc vous imaginez qu'il n'y a pas de problème, c'est juste le tuyau qui n'a pas le même endroit. En revanche, pour les toilettes, et en tout cas pour les hommes, ça nécessite de s'asseoir, et donc une modification culturelle qui est très importante et qui est devant nous. Très bien. Bon, bah, merci beaucoup pour ces exposés. Je propose qu'on n'a pas pris les questions au fil de l'eau, mais on peut peut-être en poser un certain nombre, puisque nous avons trois personnes particulièrement expertes sur les sujets. Oui, une question du docteur Vallée. Oui, bonjour, Olivier Vallée, médecin et directeur d'un hôpital, d'un petit hôpital, l'hôpital Marie-Anneau. J'ai une question pour l'urbaniste. Vous avez parlé de crise et de dernière crise sanitaire en parlant d'écologie. Pour moi, vu de l'hôpital, il y a une crise majeure aujourd'hui. Ce n'est pas tant l'écologie, mais la solitude. Le problème de l'hôpital, qui devient de plus en plus technique, et heureusement, c'est aussi un hôpital où le patient reste de moins en moins longtemps. Mais pour qu'il reste de moins en moins longtemps, il faut qu'il puisse aller quelque part. Et aller quelque part, ce n'est pas seulement du 2.0 ou du 3.0. Aller quelque part, c'est pouvoir être dans un lieu où je peux échanger, où je ne suis pas seul, et où je suis en capacité d'avoir d'autres personnes qui m'aident, qui sont avec moi. Alors je vois tout à l'heure des beaux jardins ouvriers, où on a l'impression qu'on relit l'histoire, effectivement, et qu'on recrée des choses qui ont existé il y a longtemps. Et c'est très bien. Il y a quelque chose qui existait longtemps, c'est la famille, qui aujourd'hui, effectivement, n'existe quasiment plus et est explosée. Quand on a les patients qui posent les questions aujourd'hui, pas de chronicité. La chronicité, c'est les patients de plus en plus âgés à l'hôpital. La prise en charge hospitalière devient une prise en charge de plus en plus âgée. Et donc, le problème, c'est effectivement pour nous, quelle est la place de la ville et donc quelle est la place de l'urbaniste dans ce modèle de ville où on ne peut plus être d'un côté avec les beaux cadres dynamiques et puis ailleurs des personnes plus âgées qui se retrouvent seules et avec qui on est obligé de construire autre chose. Alors c'est plus un hôpital, ça va être du soin de suite, ça va être du long séjour, ça va être des choses où on isole encore plus. On parlait tout à l'heure de l'asile, là maintenant on construit d'autres asiles, c'est des asiles pour les personnes plus âgées qui sont tout seules et qui n'ont plus de lien social. Le lien social et l'urbanisme, c'est pour moi une vraie question. On vous la pose, monsieur Lévy. Oui, effectivement, vous avez mis le doigt sur un problème majeur, la question du lien social, comment on fabrique du lien social. Bon, l'urbanisme n'a pas réponse à tout, hein, dans ces comptes. Bon. Mais bon, peut-être que par le type d'aménagement spatial, on a vu là tout à l'heure, effectivement, on recrée de l'espace public, on recrée des lieux collectifs où du lien social peut se tisser, mais d'une manière générale, il y a donc effectivement il y a cette évolution sociétale, je dirais, qui est voilà, un éclatement de la famille vers une individualisation de plus en plus poussée, exacerbée.
Peut-être que c'est dû aussi à certains types de modèles économiques dans lesquels on se trouve, hein, qui lui est dominant, qui en dernier ressort, c'est lui qui explique tout ça. Hein, parce que la ville, elle est le produit de ce modèle économique. Hein, la métropole dans laquelle on est, elle est directement issue de ce modèle néolibéral, on va dire, qui instaure plutôt la compétition que la coopération entre les gens. Pour qui le marché est le facteur essentiel de production de richesse et de bonheur et de bien-être, hein, et que le marché fonctionne comme une sorte de main invisible, hein, qui va demain apporter l'équilibre et l'harmonie partout. Donc on est dans cette idéologie là, et qui percute évidemment sur la société, hein, et sur le comportement. Qu'est-ce que je veux dire ? Effectivement, je suis d'accord avec vous qu'on doit absolument revoir l'architecture des hôpitaux. Le livre que vient de publier la Fondation est plein d'exemples, et plein de cas, effectivement, où il y a des alternatives à l'hôpital machine, à l'hôpital... à l'hôpital abstrait, hein, à cet hôpital comme mécanique de soins, hein, je veux dire, il y a peut-être quelque chose à revoir là-dedans, comment humaniser l'hôpital, et déjà dans son architecture, effectivement, et puis après, voir, pas seulement, disons, en termes de durabilité, hein, je veux dire, pas seulement dans le traitement de tous ces déchets et de tous ces réseaux, mais également dans son organisation lui-même, je veux dire, comment imaginer que la famille puisse venir, entre guillemets, habiter avec le malade quelque temps, séjourner avec lui, vous voyez, ça pose plein de problèmes. Mais votre question soulève une énorme question d'ordre sociétal, je veux dire, à laquelle l'urbanisme n'a pas toutes les réponses. Oui, sachant que, enfin, je me permets de répondre un petit peu à la question aussi, on voit aussi que nos enfants ont des comportements assez étonnants. On est quand même dans une société, je crois que LinkedIn a été racheté récemment par un gros groupe, donc les réseaux sociaux sont quand même des forces que l'on ne maîtrise pas totalement, et Blablacar, le partage de la perceuse, le partage de la voiture, sont peut-être des comportements que l'on ne modélise pas encore, et peut-être qu'on est tous un peu âgés, mais on voit que nos enfants ont d'autres comportements qui sont peut-être aussi qui fonctionnent bien en réseau. C'est assez impressionnant de les voir agir. Peut-être d'autres questions ? Ou Jean-François ? Non. L'habitat intergénérationnel est en train de se développer à la vitesse grand V. Aujourd'hui, on décloisonne complètement le système d'habitat, y compris, j'ai vu dernièrement, encore ce matin, je lisais dans le moniteur, qu'on livre maintenant des appartements avec des cloisonnements mobiles qui peuvent se faire soi-même. Et aujourd'hui, dans toutes les nouveaux écoquartiers, les logements, les immeubles de logement sont réfléchis à intergénérationnels, c'est-à-dire pour les personnes âgées. Il y aura 30% de personnes âgées à l'horizon 2050 qui feront partie totalement de la ville, et on ne peut pas enfermer tous ces gens dans des maisons de retraite, c'est pas possible. Hein, on reparlera de tout ça d'ailleurs mardi prochain pour le prochain débat, où il y aura Gilles Berru qui est un spécialiste de ces problèmes-là et qui avait fait une brillante intervention au rendez-vous de la Fondation sur la mutation intergénérationnelle de la ville, où il expliquait toutes les conséquences du papy-boom, qui est d'ailleurs une conséquence du baby-boom d'après-guerre. Et on voit qu'il va falloir vraiment cohabiter. Et ça crée aussi une synergie, ça crée une économie, on appelle ça la silver economy, mais ces points-là, cette tendance-là ne peut pas être ignorée de la ville de demain. Voilà. Cette proportion de personnes dites âgées qui n'ont jamais été aussi actives, croyez-moi. Question au fond de la salle. Bonsoir, j'avais une petite question sur la collecte pneumatique, je ne sais pas qui peut répondre, qui paraît aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas la fausse bonne idée qui va nous poser les mêmes problèmes qu'on a connus dans les immeubles d'ordures ? Merci.
collecte pneumatique, et puis allez, je fais un lot, récupération de calories pour chauffer un immeuble dans les égouts. Parce qu'en fait, la réponse est quasiment la même. Le modèle économique est très. C'est un modèle de niche. Il y a des conditions à la fois de construction, de densité, de ville qui justifient le modèle de collecte pneumatique qui techniquement fonctionne bien. Hein. Il y en a ici des Moulineaux, effectivement, il y en a à Monaco, à Barcelone, y compris dans le centre-ville, dans l'ancien et dans le neuf, hein, à Palma de Mallorca, etc. etc. Mais typiquement, c'est quelque chose qui s'installe soit dans une zone neuve, soit dans une zone très dense dans laquelle on a des difficultés à accéder et lorsqu'on est à proximité d'un centre qui reçoit les déchets. Au-delà, il y a les coûts d'investissement qui sont tellement importants que le modèle économique, en fait, diverge. Vous avez peut-être aussi entendu parler de possibilité de récupérer l'énergie dans les égouts. C'est simplement le principe d'une pompe à chaleur. Hein. Les pompes à chaleur les plus connues fonctionnent sur de la géothermie. On élève un fluide qui est déjà à une certaine température. Il se trouve que sous nos pieds passent des égouts. Il y a un fluide et on peut récupérer les calories. Pour les mêmes raisons, voilà un modèle qui est adapté à certaines configurations, c'est-à-dire la proximité d'un lieu de consommation, c'est-à-dire d'un immeuble et d'un égout qui ne soit pas très profond, de manière à ce que les tuyauteries et les équipements ne grèvent pas trop les investissements. D'une façon générale, tous les sujets d'économie d'énergie renouvelable, en fait, sont des sujets où il convient de regarder de très près les questions liées aux frais d'établissement, c'est-à-dire aux frais d'achat, d'investissement, puisque si derrière, effectivement, on a une énergie qui est gratuite, c'est le cas du vent, c'est le cas du soleil, c'est le cas de l'eau, en fait, le principal du coût provient de l'investissement initial. Guy ? Une question à M. Benel concernant l'implantation de toute cette grande machine là, concernant en fait le CIEP. On observe les dernières années qu'ils sont toujours implantés loin de la ville. Est-ce qu'il y a une préoccupation, une réflexion de la part du CIEP pour dire est-ce que ces machines peuvent être un petit peu plus près en fait de à proximité d'une machine ou d'une station en fait près de la ville? De la manière qu'on parlait pour les hôpitaux, peut-être que les hôpitaux ils vont revenir peut-être au centre de la ville. Mais est-ce que déjà le ciel La centrale, en centre-ville. Au quartier. Oui, alors j'ai l'habitude de dire que je suis assez admiratif que les élus de cette région aient maintenu le système de traitement des déchets qu'on a hérité au début du siècle, c'est-à-dire en reconstruisant, et pour la dernière. C'est celle qu'évoquait Jean-François tout à l'heure, c'est celle d'ici les Moulineaux, donc la dernière en 2007, des centres de traitement en plein cœur de la ville. Et du coup, je veux dire, si là on peut exprimer une solidarité entre les populations, c'est bien là qu'on l'exprime, on ne va pas dans les champs, on ne va pas loin traiter les déchets des Parisiens, de façon générale, des habitants de la ville. Lorsque, j'allais dire, le pli est pris, et le pli pour les stations d'épuration, il a été pris il y a fort longtemps, avec des installations qui sont lointaines, hein, Colombes, Valenton, finalement, qui ont été rattrapées par les villes, elles y sont totalement admises, et c'est à l'exploitant de faire les efforts pour s'intégrer. Ce qui est important, c'est de savoir comment on peut rendre à la population, une fois plus, ce qu'elle nous donne. J'évoquais tout à l'heure tous ces produits qui arrivent dans les stations d'épuration et qui font qu'aujourd'hui, nous nous considérons comme gestionnaires de ressources. Et nous devons transformer ces produits en énergie en particulier, en méthane, puisque la station d'épuration est un lieu où il y a aujourd'hui les biotechnologies les plus développées. Et donc, ce méthane doit pouvoir être soit transformé en énergie avec des réseaux de chaleur à proximité, soit, et c'est possible simplement depuis l'année dernière, être réinjecté dans le réseau de gaz local ou national.
Et GRDF, c'est d'ailleurs dans le cadre de la loi de transition énergétique, c'est un objectif à l'horizon 2060, que 50% du gaz véhiculé dans ce réseau sera d'origine bio, c'est-à-dire non fossile. D'autres questions ? Tanguy ? Oui, j'aurais peut-être une question pour M. Omnes. Parce qu'il nous parle, vous nous parlez d'un passage, d'un passage à une forme de santé numérique. Or, il y a quand même un danger, me semble-t-il, là-dedans, ou en tout cas une réflexion en avant faire. Parce que qu'en est-il, alors, deux choses, de la protection des données et des systèmes de collecte d'informations, parce qu'il y a là quand même un vrai danger qui se pose sur la protection de la vie privée. Et je pense notamment, vous évoquiez d'autres pays, mais une expérience emblématique dont on parle dans notre ouvrage, qui est la ville de Songdo, en Corée, qui est censée être la smart city la plus optimisée qui existe, justement, qui est bourrée de capteurs, qui surveillent en permanence tous les indicateurs de santé des habitants. Et elle est vendue comme étant le lieu justement de traitement, de surveillance ultime des maladies chroniques. C'est-à-dire, on vend littéralement aux gens, on leur dit, vivez dans cet environnement-là et vous aurez une prise en compte de tous vos problèmes potentiels. Sauf que ce faisant, c'est au prix du sacrifice total de leur vie privée, puisqu'ils sont en permanence surveillés sur toutes les données, leur endroit, ce qu'ils font, les moindres faits et gestes finissent par être épiés par des capteurs passifs qui transmettent en continu toutes leurs données vers l'hôpital centralisé de Songdo. Alors, est-ce que le modèle que vous proposez, n'y a-t-il pas un réel danger que l'on se dirige vers un modèle de type orwellien ? Au nom justifié, au nom de notre bonne santé. Alors, va-t-on se fourvoyer ? La pile m'a l'air un petit peu malade. Donc, je sais pas, tu as la voix qui porte, je te laisse répondre. Il ne faut pas se tromper, hein. Je fais pas l'apologie du numérique. Je constate que la révolution numérique, ça a fait la vie personnelle, familiale, toutes les institutions. Et que l'hôpital n'échappera pas à ce ramarais. Donc, il est obligé de le métaboliser positivement. Le sens de la meilleure qualité du soin, une grande sécurité du soin. Ceci étant, deuxième point, je ne suis pas, je fais pas l'apologie, deuxième point, je suis breton, je ne suis pas coréen. C'est pas très important. L'exemple que vous donnez, je le connais parfaitement, parce que c'est un hôpital numérique et un territoire numérique qui est vendu par qui ? Samsung. D'accord ? Soyez heureux avec Samsung. Alors on met de côté la Corée. Donc c'est vrai que le sujet de fond, c'est tout progrès technique, qu'il soit médical ou qu'il soit technologie d'information et communication, rend la société vulnérable. Un exemple, vous avez un dossier patient électronique qui a toutes les données sur tous les patients qui ont été traités depuis que le système existe. Et puis il y a une panne. Le personnel n'est plus du tout adapté à remplir des cahiers avec des crayons, il n'y a pas de système B. Donc la notion de sécurisation des systèmes technologiques, dans les hôpitaux en particulier, c'est un sujet majeur. Et là, c'est un autre bouquin sur la gestion du risque et la fragilité des sociétés. Par contre, sur l'autre aspect, le traitement des données, ça nous dépasse complètement. Moi, croyez-moi, j'ai fait un livre gentil. Et la chance que j'ai, c'est que depuis 2008, j'ai été voir les trucs les plus pointus dans le monde entier. Et les hôpitaux numériques de référence, ils sont aux Pays-Bas, en Scandinavie, ils sont aux États-Unis, en grande partie. Mais les États-Unis, business is business. À partir du moment, et c'est récent, où les grands, Google, Amazon, commencent à investir des sommes que vous ne pouvez pas imaginer, en recrutant des talents, y compris les Coréens, pour s'intéresser au big data, la partie, elle est déjà jouée. C'est-à-dire que nous, on est là, les Gaulois, chacun dans son truc, on ne partage rien, on ne fait pas avancer. Il faut faire aussi avancer la science. Pourquoi je me bats là-dessus ? C'est qu'on a pris un retard considérable. Prenez un hôpital universitaire.
le seul hôpital à la paix de Paris qui soit capable de franchir le stade du Big Data, c'est l'hôpital européen. Pourquoi ? Parce que depuis 2000, s'est construite une maturité informatique, une maturité de la communication, qui fait qu'enfin, en 2016, on va pouvoir, à Pompidou, à Paris, croiser les bases de données cliniques, c'est-à-dire votre dossier, mon dossier, mais bien sûr anonymisé, avec les bases de données génétiques, les bases de données biologiques, et on va tout lier ça pour faire quoi ? De la recherche translationnelle, en traitant sur les grands nombres, et on va faire avancer la science. Donc cette problématique de recherche translationnelle sur le traitement des données de grands nombres, elle ne peut se faire qu'à partir d'un certain niveau de maturité informatique, technique, de communicatif, que la plupart des hôpitaux français n'ont pas. Donc c'est là où on prend un différentiel. Mais je laisse de côté, parce que c'est pas mon sujet, mais c'est un projet, c'est ce que vous évoquez sur le plan philosophique. Alors là, je laisse aux philosophes pour y répondre. Et c'est vrai qu'on est marqué à la culotte, tous. Hein. Moi, je suis client d'Amazon, ils savent quels sont les derniers CD que j'ai achetés, ils m'envoient un mail ce matin pour me dire « Tiens, vous avez acheté ces trois-là, on vous conseille le quatrième. » Ils savent que j'aime le pop rock, et ils savent que j'aime les t-shirts d'une certaine marque, Fred Perry. Ils m'envoient les messages. Mais on est déjà totalement dans ce système-là. Totalement. Donc c'est pas moi qui vais régler le problème. Si à l'île boîte, loin de tout investissement numérique, en regardant la mer et en faisant de la poésie. Ouais. C'est le mot de la fin. Magnifique mot de la fin. Donc, parler de philosophe, on va donc passer la parole à... J'avais quand même une conclusion, si vous permettez, une deux secondes, juste pour répondre à la question de départ de Jean-Pierre Montel, est-ce que la vie dense, compacte aujourd'hui, est favorable à la santé ? Je dirais oui, effectivement, puisqu'elle est le modèle idéal de la vie durable. Mais à condition, un, qu'elle ne soit pas livrée à l'automobile, et deux, qu'elle comporte un certain nombre d'espaces verts suffisants. Ce qui n'est pas le cas de Paris aujourd'hui. Sur le sujet de la prochaine phrase. La deuxième, c'est la question de est-ce que la métropole est aussi favorable à la santé ? La vie en métropole, alors, est-ce qu'elle favorise l'espérance de vie ? Laissez voir. Effectivement, l'espérance de vie augmente dans les métropoles, en tout cas dans nos sociétés, dans les sociétés occidentales. Mais c'est je dirais que l'on vit certes plus longtemps, mais on vit plus longtemps en mauvaise santé. On vit plus longtemps en mauvaise santé et on est maintenu à coup de médicaments, de prothèses, d'interventions, etc. Ce qu'on disait tout à l'heure. Bon, et si bien que l'Union européenne a introduit un nouvel indicateur, je ne sais pas si vous en parlez, qui s'appelle l'espérance de vie sans incapacité. Voilà, EVS. Donc voilà, il faudrait aussi penser à celui-là. Et puis, il ne faut pas oublier que dans les dernières statistiques de l'INSEE, l'espérance de vie en France a commencé à reculer. Ce qui, j'ai lu dans l'exposition, c'est qu'on a effectivement un nouveau temps de vie, mais avec maladie. Donc, et c'est le sujet qui sera traité mardi prochain, dans la prochaine tableau, puisque nous aurons Gilles Véru, nous aurons des chasses copiées pour la ville, pour la problème de la densité de la ville et densité. Et Jean-Philippe Sylvé, qui est le directeur du patrimoine de biodiversité du Muséum d'histoire naturelle, qui nous parlera aussi, bien sûr, de la biodiversité urbaine. Donc, ce sera une forme de conclusion. Et je voyais que tout le monde a envie de parler de ça aujourd'hui. Ce sera au troisième temps. Je laisse, comme de tradition, les conclusions à. Ce sera ton tour aujourd'hui. À Marie et Christian. Moi, je voudrais commencer par dire que j'ai appris ce matin que Charles Coffier avait fait une chute et qu'il avait la cheville abîmée. Oui. J'ai bien rigolé. Bien t'en as pris. Je fais moins malin. C'est la première chose. Et ce cycle de débat me paraît dangereux. Je le dis, je vous aurais bien après, moi, il y a une chose qui m'a intéressé beaucoup dans le sujet d'aujourd'hui, qui était cette idée de chercher des relations
dans un duo ou un couple entre l'architecture et la santé, entre la ville et la santé. Et ce qu'on constate, c'est que selon qu'on envisage le point de vue depuis un réseau, y compris depuis ses terminaux, etc., ou qu'on se pose la question d'une enceinte comme celle de l'hôpital, en fait, on ne parle pas du tout de la même chose, et même si les liens ont été faits et chacun est capable d'ici de les faire, on voit quand même que c'est peut-être un problème de rester à des termes aussi généraux. Alors ça m'a, je me suis dit, ouais, mais qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Alors moi, c'est vrai que ma formation initiale, c'est la philo, et que ce qu'on voit dans les discussions entre philo et autre chose, philosophie et médecine, par exemple, pour se rapprocher du thème d'aujourd'hui, c'est que ça débouche toujours sur un terme tiers, un terrain souvent assez réduit, où là, on a appris quelque chose. Bon, ben, je vous rappellerai cette histoire, par exemple, de l'éthique médicale. Ça n'a pas duré très longtemps. Mais à la fin des années 80 jusqu'au milieu des années 90, il y a eu un moment où ça a été très important de faire venir les philosophes dans le champ médical, parce qu'il y avait trop de questions qui bougeaient en même temps. Vous savez, du rapport aux patients, le rapport des nouveaux types aussi d'infections, la question de tous ces médecins qui partaient de tout le monde sur le terrain de conflit, la génétique, les greffes, en fait, etc. Donc à un moment donné, la rencontre, elle est fertile, elle va au-delà de la conversation entre deux savoirs. Il y a un troisième espace. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est vers ça qu'il faudrait arriver. Alors il y a eu plusieurs suggestions dans le débat. Il y en a une qui est la plus évidente, il faut peut-être se méfier, c'est la question de l'espace public, dans ses différentes formes. Est-ce que c'est là qu'on serait capable de dire que l'architecture et la santé se rencontrent au point d'être capable d'inventer quelque chose? Parce que vous voyez comme on est fort en histoire, tous. Ça, on est capable de raconter énormément d'histoires sur les rapports de la santé et de l'architecture. Il y a vraiment des histoires d'aujourd'hui. C'est l'histoire de demain. On est assez à sec. Réellement. Par exemple, sur les grands réseaux dont vous vous occupez, on a des processus de miniaturisation exceptionnels qui font peut-être que les grandes emprises historiques sont complètement caduques. C'est la question que tu as posée. Là, il y a des redéploiements de fonciers qui pourraient changer complètement la structure de la métropole. Voilà, moi j'ai l'impression que ça va se passer là. Ça va être des rencontres entre architecture et santé, certes, architecture, mais sur des questions techniques et sur des questions de choix de société. C'est là où le terme bien-être me gêne un peu. Le bien-être, aujourd'hui je me sens bien, hier j'allais moins bien. Ça me satisfait pas, même si c'est très clair. Et ça permet à la discussion de s'engager. Mais au fond, derrière, qu'est-ce qui est de la responsabilité de l'hôpital, vraiment? Et là, on a entendu parler de la question de la solitude, de tout un tas d'affections qu'on va appeler mentales, enfin, qui sont peut-être aussi tout simplement une conversation avec l'environnement, qui chez certains se passe mal. Voilà, on a entendu parler de tout un tas de trucs, et on se demande là où est le rôle de l'architecte, où est le rôle de l'urbaniste. Alors, à contrario, je voudrais vous rappeler deux histoires. La première, c'est quand on interroge les gens sur la défense, et on leur demande, est-ce que vous vous sentez bien ici? Est-ce que c'est de la ville? Tout le monde veut... Bon, c'est un territoire de notre agence est urbaniste, donc on a fait ce travail. La réponse, c'était... Oh, pas de la ville, ici. Non. C'est un quartier technique, c'est du business, mais il n'y a rien qui est en bas. Et de toute façon, c'est la faute de Le Corbusier. Pardon? Qu'est-ce que vous dites? Bah, c'est lui qui l'a dessiné, non? Moi, je pense que voilà, c'est un peu le destin de l'architecture. On lui fera volontiers porter le chapeau de tout un tas de choses sur lesquelles elle le peut. L'urbanisme sur dalles en Angleterre est extrêmement prisé. Beaucoup des dalles les plus célèbres de Londres et de sa région sont les quartiers cossus d'aujourd'hui. Et ils l'ont été d'ailleurs depuis le début, là où en France, on ne sait tellement pas quoi faire qu'on les détruit. Alors, il y a eu plusieurs fois le mot humilité qui est venu, humilité vis-à-vis de la technique, humilité vis-à-vis aussi des solutions. Elles étaient bonnes à un moment, elles sont plus. Là,
je me demande si l'architecture et l'urbanisme n'a pas une certaine sagesse à faire valoir dans son rapport à l'innovation, dans son rapport à la crise, etc. Et moi, je regarderais plutôt l'histoire de ce point de vue-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'architecture a réussi à faire dans les moments clés, plutôt qu'à se souvenir des réussites des grands réseaux, etc. Parce qu'en réalité, tous ces grands réseaux vont changer. Si vous n'arrêtez pas de couper l'eau quand vous brossez les dents, on va avoir un problème d'encrassement des réseaux, parce qu'ils sont conçus pour avoir un niveau de flotte dedans qui n'est plus. Donc, bah ouais, c'est pas grave, tiens, ça fera des marchés pour les grandes boîtes, on va être bien plus petit. Est-ce qu'on veut mettre le fric pour ratisser les réseaux ou les laisser Ça, c'est des choix qui devraient être en conseil des ministres. On devrait en parler en première news, au journal, plutôt que de savoir si Pogba va ou pas jouer à droite demain. C'est important, ça. Au centre. Moi, je vous annonce qu'il ne jouera pas du tout. Oui, c'est vrai. C'est important. Mais n'empêche que ces questions-là, c'est un peu le travail qu'on avait fait avec Jean-François, quand on se posait des questions de prospective, des raisons de me rencontrer toutes les questions que vous avez posées, elles en appellent presque à des interrogations de type démocratique. Au fond, au travers des réseaux, au travers des grandes utilités, au travers des grands services rendus à la personne, il y a des arbitrages qui sont faits. Ben, ces arbitrages-là, ils passent jamais par le jamais. On n'a jamais voté pour l'université. On n'a jamais voté pour la reforestation d'Achères ou pas. On n'a jamais, etc. Or, ces gestes-là, qu'est-ce qui se passe d'autre? On nous dit que le gouvernement ne fait rien et peut-être qu'il n'y a plus rien à faire là-dessus, mais que tout ce qu'il y a à faire, il est à cet autre niveau, et celui où beaucoup d'entre vous êtes. Voilà. Moi, j'ai l'impression que c'est une des vertus de ces là, mais qui pose la question de comment le débat sort du cocon de ceux qui s'y intéressent, ceux qui y ont intérêt, ceux qui doivent faire. Et je vous promets que sortez dans la rue et essayez d'aller partager ces débats, c'est presque refonder politique, parce que chacun est d'une certaine manière le socios du CIAP, du CITOM, on est des co-investisseurs de cette structure-là, ils nous rendent un service, on en a besoin, mais au fond, pourquoi il est géré, comment, au profit de qui? On a la chance d'être dans un système qui a les moyens de la transparence. Ben, probablement, c'est l'État pour parler numérique. L'accès à toutes les données de la consommation, mais aussi de l'exercice du contrôle de ces réseaux, c'est probablement aussi important que de savoir où je suis et à quelle heure j'ai pissé. Ben, ça va dans les deux sens. J'ai beaucoup de choses à dire, j'espère que ce n'est pas trop confus, mais le débat suscite. Après cette chute, c'est difficile. Je partirais probablement de l'idée qu'il n'y a pas de meilleur dénommé et qu'il faudrait éviter d'imaginer que nous allons trouver un nouveau modèle. Je crois qu'en effet, j'aime bien cette recherche d'unité. Je me souviens du travail que j'avais fait avec Francis Bell, mon collègue, quand j'étais le directeur de Bissat. Bissat, c'est vraiment l'hôpital du grand enfermement. S'il y a bien un endroit où on a fermé derrière des remparts et des murailles tout ce qui dérangeait l'ordre social, alors l'ordre social, ça va de la maladie à l'époque, au climat, tout ce qui dérange une société, on l'enfermait. Donc il faut comprendre que ça dépasse aussi le sujet de la santé. C'est qu'à un moment donné, une société s'est protégée à travers des remparts. Malheureusement, ces remparts physiques sont devenus aujourd'hui des remparts culturels. Mais et le travail de l'hôpital, c'est de briser les remparts culturels. Ils sont plus durs que les remparts physiques. Mais pour en revenir à Facilbert, quand nous avons imaginé de faire, nous sommes à la fin des années 90, une structure pour les personnes âgées, il m'a dit comment on fait. J'ai dit on va faire des choses, on va aller voir dans le monde entier ce qui s'est fait pour les personnes âgées, et surtout on va demander à des patients eux-mêmes de dire ce qu'ils souhaitent pour leur fin de vie. L'idée qu'on a eue, c'était de construire un modèle de lieu de vie à la carte. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas
une résidence ou un hôpital pour personnes âgées, il y avait 3-4 types. Parce qu'il y en a qui préfèrent être seuls, il y en a qui préfèrent être à deux, il y en a qui préfèrent être en groupe. Il y a beaucoup d'inversus sur ces sujets-là. On dit, ah ben, il faut arrêter de vivre en groupe, de mettre plus. Mais ça dépend. Les gens, selon leur habitude culturelle, selon le parcours qu'ils ont eu, peuvent demander des choses différentes. Autre chose que je veux dire quand je travaillais avec Facilbert, c'était. Il y avait des gens, par exemple un couple, l'un était dépendant, malade, l'autre était en parfaite bonne santé. Ces gens voulaient continuer à vivre ensemble. Donc on a travaillé l'idée d'avoir un hôtel à côté de l'hôpital, dans l'hôpital, mais où les personnes pourraient continuer d'avoir une vie commune alors que leur état de santé est très très différent. Donc ce que je dis, cet exemple que je prends, c'est simplement pour dire que je crois pour ma part qu'il faut encore une fois éviter peut-être d'imaginer qu'on va trouver un modèle architectural donné, mais plutôt partir probablement de celui qui sait, c'est-à-dire le patient partenaire de sa santé. C'est la deuxième idée que je développais. Quand j'étais au Canada, j'ai beaucoup développé le concept de patient partenaire. C'est vraiment un concept très fort. Et d'ailleurs, le numérique peut s'appuyer sur ce patient partenaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des mots, on est vraiment, à condition que ça ait été enseigné dans les facultés de médecine, ce que nous filmons à Montréal, à condition que ça ait été défendu dans l'ensemble des erreurs du système, dans l'ensemble des établissements du réseau de santé, on peut avoir vraiment un patient partenaire de santé. On s'entend que ce n'est pas pareil en réa que pour quelqu'un qui a un diabète, qui s'adapte assez bien en effet à un suivi à distance, mais je crois que cette idée du patient partenaire, c'est lui qui va inventer la nouvelle organisation du système de santé. C'est que lui qui peut le faire. Et effectivement, de ce point de vue-là, le numérique est fondamental. À la fondation des FHF que j'ai dirigée, j'ai remis 3 prix. L'un, c'était pour un concept hospiome. Hospiome, c'est en effet ce qu'on a dit. C'est les soins à domicile, dans une chambre, qui permet de soigner comme si on était à l'hôpital, mais on est chez soi. Parce qu'il y a une connectique qui permet en effet d'avoir un parcours de soins, un dossier partagé. Voilà. Alors, c'est le prix que nous avons donné, je crois que c'est l'avenir. Deuxième prix, c'était quelqu'un, des enfants qui ont des maladies rares, un équerre, et tout simplement, ils ont des problèmes de rejet qu'ils ne maîtrisent pas, pour rester dans les sujets qu'on évoquait tout à l'heure. Ces pauvres gamins, tant que c'était fait, ce suivi sur du papier, ils ne voulaient pas le faire. Maintenant, on a inventé une espèce de smartphone ludique. C'est très important, le ludique. Surtout pour les enfants, mais pas seulement. Pour retrouver le goût du jeu. Et grâce à ça, on a là aussi un système partagé entre les patients, les médecins de ville, le centre des maladies rares de Necker, où ils suivent leurs problèmes de déjection non maîtrisables. Avec cet outil-là, et ça change complètement la vie. Et le troisième, c'est un prix qu'on a donné pour des malades chroniques de Georges Pompidou, ensuite de Georges Pompidou, et là aussi, c'est un système absolument basé sur les nouvelles technologies en matière d'information. Donc en effet, ça n'est pas la panacée, je partage ce que vous avez dit, mais je pense que c'est quand même quelque chose de très important dans le fait que le patient lui-même va pouvoir maîtriser pas mal des données concernant sa santé. Je vous rappelle que n'importe quel patient aujourd'hui passe sur Internet et il arrive, le dialogue avec les médecins, le professionnel de santé a complètement changé parce qu'il sait beaucoup de choses. Et au fond, on a interrogé les médecins pour savoir s'ils trouvaient que c'était une bonne chose. Un débat que nous avions organisé à la MACSF, oui, c'est une bonne chose. Même si, évidemment, et au départ, les professionnels sont un peu rebutés. Enfin, parce que je ne veux pas être trop long, il y a beaucoup de choses de dites, je ne parlerai pas de l'eau, hein, on vient tous de l'eau, on y retourne. Les Romains avaient montré quand même depuis longtemps de domestication, d'appropriation de l'eau, c'est quand même très, très important. Non, je voudrais dire un mot sur le lien social. En philosophie, effectivement, ou les juristes, c'est un peu pareil de ce point de vue-là, parlent de l'affectio societatis.
Ce qui crée le lien social, c'est le goût qu'on a d'être ensemble. Le goût qu'on a d'être ensemble, ça passe par des projets partagés. C'est la raison pour laquelle je me suis souvent battu à l'hôpital pour qu'il y ait des liens entre le monde des arts, de la culture et le monde de la santé. Pourquoi ? Quand quelqu'un rentre à l'hôpital pour venir voir une œuvre d'art, pour partager un moment autour d'un concert, son rapport à un milieu qui est un milieu chargé de stress change complètement. Et quand il va revenir, il n'aura pas du tout la même impression lorsqu'il sera plus dans ce contexte-là. Il y a un échange extraordinaire qui se passe. Ça change aussi les rapports sociaux. Je me rappelle, quand j'étais encore directeur de l'ICEF, nous avions une grosse grève, il y avait déjà des grèves. Et la télé venait filmer les grèves. Et puis, en même temps qu'il y avait cette grève, dans l'hôpital, Chacalis, qui était un grand sculpteur déjà connu, était venu et je proposais à des artistes de créer une œuvre originale dans l'hôpital. C'était une œuvre sur le thème du radeau de la Méduse, complètement déstructuré dans le grand réservoir, un ouvrage magnifique de Beaufranc, le grand réservoir, un peu comme la conciergerie, quelque chose de fantastique, et il construit son ensemble. Mais naturellement, ce n'est pas lui qui va assembler les éléments en bois, c'est les ouvriers de l'hôpital. Et ces ouvriers, même pendant la grève, tout est arrêté, mais continuent de participer à la création de l'œuvre de Chacalis. Et les gars de la télé me disent, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la grève. Et effectivement, ils sont allés rencontrer des gens, des malades de psychiatrie, de neurologie qui venaient voir la construction de l'œuvre, l'artiste qui travaillait, les ouvriers qui travaillaient. Donc, je pense que, par exemple, le fait qu'en effet, qu'à Montréal, j'ai vendu l'idée qu'il y ait une maison de la culture dans l'hôpital, ça n'est pas un gadget. C'est non seulement un moyen de dédramatiser le lieu, de le faire participer de la vie de chacun, de créer une passerelle entre la cité et l'hôpital, c'est aussi mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Il n'y a plus, à ce moment-là, je peux vous dire, dans l'unité SIDA que j'avais, un danseur vient et les malades du SIDA progressivement se mettent à danser. C'est une histoire vraie, ça se passe à Rouen, là. Et puis après, les professionnels se mettent à danser. Donc ça veut dire qu'un des gros problèmes de l'hôpital, qui est quand même un système très hiérarchique, quoi qu'on dise, du sachant et de celui qui ne sait pas, de celui qui est debout et de celui qui est allongé, quand on se retrouve dans des séquences comme ça, c'est complètement changé. Donc c'est ça, retrouver du sens par de la transversalité, et je pense qu'on doit, à travers ces approches peut-être micro, mais moi je crois de plus en plus à des innovations par des approches de ce type qu'à un modèle qui nous viendrait un peu désincarné comme Hobbes avait fait son Léviathan ou encore une fois Aldous Huxley dans son meilleur des mondes. Puisque je vous annonce qu'il y aura que les deux prochains rendez-vous de la Fondation avant la fin de l'année, je pense. C'est Louis Hommes qui nous présentera son livre sur l'hôpital numérique et Christian Père qui nous parlera de l'art et de l'hôpital et de la santé. Voilà. Donc merci à tous pour la qualité du débat.